Pour la troisième journée de cette vente de décembre, la vente d'élevage, il pleut aujourd'hui. Allez, on est prêt à bondir. Eric Oyo est déjà en place. On va démarrer dans quelques instants. La musique, elle marche. Mais bien sûr. Mesdames, messieurs, la vente va débuter dans quelques instants. Merci de bien vouloir prendre place. Ladies and gentlemen, the sale will start in a few minutes. Please come to the sales ring. Thank you. À 550 000 euros, tout bon pédigré ici, Turtle Ball, à 550 000 euros ici encore, oui, 600 Bernard Pablo Lanchier, à 600 maintenant, à 600 000 euros, à 600 000 euros, Barbu Bernard Lanchier, à 600 000 euros, et plus beau téléphone ici encore, à 600 000 euros, she's very well bred, à 600 000 euros, Daisy, à 600 000 euros, come on, à 600 000 euros ici encore, à 600 000 euros, à 600 000 euros, allons-y, Jean-Charles, demandez-lui si c'est contre vous, à 600 000 euros, voulez-vous, à 600 000 euros. Il est 11h. Nous poursuivons. Attention Bernard. Aux conditions du catalogue et du procès-verbal. Le commissaire priseur. Tout content. Les frais sont de 6% hors taxes en plus des enchères. Et l'enchère minimum est de 1500 euros. Donc le numéro 556 est présenté par le haras du Haguenay. Une femelle Ben est le 9 mai par Archive Marshall et Rada Angel. Notez que cette pouliche est vendue sans TVA. This filly is sold without VAT. Ça marche. Une foule d'archives Marshall, la mère Black Type, c'est un troisième produit, la mère vie de la vie des coloris. Bonne famille de femelles, combien offre-t-on pour débuter? 2000 euros, 2000, qui m'appelle à 2 à 2000, à 2000 euros, à 2 à 2000, à 2, 2000 euros, 2000 euros qui m'appelle à 2 à 2000, à 2000, à 2000, à 2000 euros, à 2 à 2000, 1005, 1500, 1005, j'ai un 1005, 1500. À 1500 euros. Une mère Black Type à 1005, à 1005, 2000, 2000 euros, vous êtes à 2000, à 2000 euros, à 2000 euros, une mère Black Type, 3000 euros, 3000. Levez les bras, s'il vous plaît, 3000 euros, 3000, j'ai Laura, à 3000, à 3000, à 3000, 4, 4000, Guillaume, 4, à 4000, 5, 5000, 5000, Laura, 5, à 5000, à 5000 euros, à 5000 euros, Laura, l'enchère à 5000, à 5000 euros, vous êtes 6, à 6000, à 6000, à 6000, j'ai à 6, à 6000, à 6000, à 6000, une mère qui a montré de la qualité à 6, à 6 000, à 6, à 6 000 euros, à 6 000 euros, l'enchère à 6 000, à 6 000 euros, bien vu à 6 000, à 6 000 euros, dernière fois à 6 000, 7, 7 000, 7 000, Guillaume, l'enchère à 7 000, vous êtes plusieurs à 7, à 7 000 euros, à 7, à 7 000, à 7 000, à 7 000 euros, à 7 000 euros, l'enchère à 7 000, suivant encore 7, à 7 000, à 7, à 7 000 euros, bien vu, à 7 000 euros, Guillaume. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et oui, on est revenu, de retour. 7000 euros, merci. À l'antenne en direct. Bien vu, Guillaume Lanchère à 7000 euros. Le marteau se lève à 7000 euros. Pas de regret ailleurs. À 7000 euros. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue. 7000, Guillaume, merci. Présenté par le haras du Grand Lys, Beckhamon, jument baie par Monjeu. Pleine de ken d'argent. Fille de mon jeu, pleine de quines d'argent. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est la demi-sœur de Bécrux. Fille de mon jeu. Jument bien signé, pleine de ken d'argent. Allez, 7000 euros pour le premier lot, le 556. 5000 euros, fille de mon jeu, 5000, qui m'appelle à 5, à 5000, à 5000, à 5000, à 5000, à 5000, à 3000, à 3000 euros, 3000, à 3000, bien sûr, Alexandra, 3000. Elle est pleine de ken d'argent, à 3000, à 3000. Allez, le 556, donc à 7000 euros. 4000 euros, pleine de ken d'argent tout de même à 4000, l'enchère à 4 qui m'appelle au-delà de 4, à 4, 5, 5000, 6000 euros, 6 à 7000, à 7000 euros, 7000, à 7000, 8000 euros, à 8000. Le 557 actuellement. Une fille de mon jeu pleine de ken d'argent. Fille de mon jeu pleine de ken d'argent. 9000, à 9000 euros seulement, 10, bien sûr, 10, à 10 000. À 10 000 euros, fille de mon jeu, pleine de ken d'argent, à 10 000. Non, hier, on a fait une journée de vente de 12 heures quasiment. On a pris l'antenne à 11 heures, on l'a rendue à 22h55. À 12 000 euros. Aujourd'hui, ça va être un peu moins long quand même, mais il y a encore une grosse, grosse journée devant nous. Vous êtes à 12, 13 000. Avec 280 numéros environ. Le premier lot, c'était une femelle de Archif Marshall et Rada Angel qui s'est vendue à 7 000 euros, présenté par le Radio Gnais. Ici, c'est le Hara du Grand Lys, Paolo Picci, qui nous propose cette fille de mon jeu et Rebecca Parisi. 18 000 euros. Elle est pleine de ken d'argent, donc ça vaut de l'argent. 20 000 euros, 20 000. C'est pas bête, ça rime. C'est la sœur de Bercrux, un vainqueur du Woodbine Mile, groupe 1 au Canada, à vous seulez pour nombre de Woodbine. Et c'est la sœur aussi de Red Doctor, qui a gagné un groupe 3 en Italie, le Grand Steeplechase Capanelle. Même si les courses d'obstacles en Italie, à l'image des courses plates d'ailleurs, sont en grande crise, il y a encore des épreuves de groupe reconnues internationalement comme telles. C'est aussi la famille d'un cheval complètement différent, c'est-à-dire Showcasing, étalon de succès, après avoir été un cheval extrêmement précoce puisqu'il s'est imposé dans les Jim Crack Stakes l'été à Goodwood. À 30 000 euros. Et Camacho aussi, qui était talon. Bien vu. Sous la troisième mère. Donc là, on a une sœur de Bercrux, gagnant de groupe 1, issue d'une jument gagnante en Italie, Rebecca Parisi. J'ai maintenant et nous vendons par Vladimir. À 32 000, à 32 000, merci. Elle s'appelle Bécamon. 35. Toujours en partenariat avec le Hara de la Covinière, le Havre, Roche Saman, Artif Marshall, notre émission, nos émissions, vos émissions. Et chez Hervé, votre partenaire santé. À 35, merci. À 35 000. À 35 000, Bernard. Donc hier soir, malgré l'heure tardive de la fin, ça s'est bien vendu jusqu'au dernier moment. Vous pouvez d'ailleurs le constater dans les coulisses. Bernard, votre enchère, 35, merci. Les numéros 558 et 559 sont absents. Nous passons au numéro 560. Et non, pas dans les coulisses, dans les résultats, pardon. Des choix 40 000, 50 000, 120 000 euros. La famille de Riverside pour cette fille de Sedgebourg, la mère par Chirocco. Combien débute-t-on ? Et là, on est reparti sur le bon pied puisqu'on vient de vendre un cheval, une jument à 35 000 euros. Donc pas de 558 ni de 557. À 2003, 3000, 3000, 3004, 4000, à 4000, à 4000, l'enchère à 4, 5, 5000, 5000 euros, 5 à 5000, à 5000 euros, à 5 à 5000, à 5000, à 5000 euros, à 5 à 5000, à 5000 euros, 5, à 5000 euros, l'enchère à 5000. Pas de 558, pas de 558 ni de 559, donc on va passer directement au 560. Une foule de Sedgebourg présentée par le rat du Tenet. Le rat du Tenet qui accueille d'ailleurs comme étalon Sima de Triomphe. Étalon gris par Galiléo, gagnant de groupe 1. Et la mère par Danehill, le croisement classique. Et qui a donné deux black types dès sa première génération de 2 ans, avec un nombre de produits extrêmement limité d'ailleurs pourtant. Donc un cheval à redécouvrir, on va dire. Que ce Sima de Triomphe qui est présent au rat du Tenet. Désormais sous la direction de Nicolo Riva. Le Hara du Tenet, c'est à deux pas de Deauville, hein. C'est entre le Quenet et Colville. C'est à 10 minutes d'ici. Pas de regret à 9 000, merci. À 9 000 euros, dernière fois, à 9 000, fini. À 9 000 euros par vous, à 9 000, j'ai à 9 000, bien vu à 9. À 9 000. Alors, Sedgebourg est parti à l'étranger. À 9 000, fini, dernière chance. Et il a été révélé de façon assez spectaculaire en 2013 avec sa première génération de 2 ans. Et là, il est parti à l'étranger, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus où exactement.
Il a quitté le giron. Il était faisait la montre chez Jean-Pierre Dubois au ras de la brosse. Donc le numéro 9000 euros pour le numéro 560 Sedgebourg. La fille de Sedgebourg. Ah, Sunday Break désormais. Sunday Break. Ah, et relais d'Aumale. Présenté par le 561, ce foal, né le 15 février. Royal Break, la mère relais d'Aumale, gagnante de course principale à 2 ans. Combien débute-t-on? Alors Sunday Break, vous le connaissez tous, cet étalon Sunday Break. Je vais l'archi confirmer. Qui va faire la monte l'année prochaine au Haras du Lion. Il se déplace, il descend à Normandie vers l'Anjou pour rejoindre donc le Haras du Lion où il rejoindra un autre nouvel étalon, enfin une nouvelle recrue, c'est pas un nouvel étalon puisque c'est Soave, hein, il est très connu lui aussi. Sunday Break qui a un grand espoir classique pour l'an prochain, c'est-à-dire Master Blaster qui a gagné de façon extrêmement impressionnante. Qui a gagné de façon donc extrêmement impressionnante à Bordeaux, chez Jean-Claude Rouget, et que Jean-Claude Rouget tient dans la plus grande estime. La mère s'appelle Relais d'Aumale et par Rainbow Quest. Elle a gagné l'Istud, cette Relais d'Aumale, dans le prix Isonomie à Fontainebleau. 3500, dernière fois, 3500, bien sûr, 4000. Alors pour l'instant, elle a fait 5 produits en âge de courir, 2 vainqueurs seulement, pas des grands vainqueurs. Kilimanjaro qui a gagné 5 courses quand même. À 4000 euros, pas de regret, 4 à 4000. Voilà, 5 produits en âge de courir, 2 petits vainqueurs. Donc ça rend le 5e, le 6e, 7e produit de Relais d'Aumale un peu plus difficile à vendre. À 5000 Vladimir, plus nous l'aura. À 5000 Vladimir, le Sunday Break à 5000 Vladimir. À 5000, merci. À 5, 6, 6000, 6000 euros, 6 à 6000. À 6000, j'ai maintenant à 6 à 6000. À 6000 euros, l'enchère à 6 à 6000. Nous sommes 6 à 6000. À 6000 euros. À 6000 euros, 7, 7000. Maintenant, Alexandra, vous êtes 2 à 7 à 7000. À 7, 8, 8000, 8000 euros, à 8 à 8000. À 8000, 7500 si vous voulez, à 7500. Le foal est présenté par le rat d'Ombreville, un jeune consigneur, Mathieu Gouénard. À 8000, demandez 9 maintenant à 8000. À 8000 euros, à 8000 euros, l'enchère à 8000. À 8000 euros, bien vu, à 8, 9, 9000, vous êtes. C'est la même ou pas? 9000, j'ai Dominique. À 9000, j'ai Dominique, demandez 10, maintenant à 9000. À 9000 euros. À 9000 euros, demandez 10, maintenant à 9000. À 9000 par Dominique Lanchère, à 9000, le Sunday Break, 10, il a dit 10, à 10000. Ah, mais les prix montent quand même, on est parti bas, mais petit à petit, on monte les échelles. Enfin, les échelons plutôt. Bien vu, à 10, à 10000. À 10000 euros, last time, dernière fois à 10000, Vladimir. À 10000 euros, 10, 11 fresh bidder, à 11000, Marie. À 11000, Marie Lanchère, j'ai à 11000, pas là et pas là, à 11000, Marie. À 11000, bien vu. À 11000, on peut être jugé. À 11000 dernière fois, à 11000 Marie Lanchère, à 11000 euros, 11000 euros, on a failli être jugé, mais non, il y a eu une enchère supplémentaire à 12000, voilà. Il faut savoir que Sunday Break va faire la monte l'année prochaine à 2500 euros, donc là on est déjà à 12000, bien vu, à peu près 5 fois, à peu près 5 fois le prix de Sailly. À 12000, Laura Lanchère, à 2800 euros, pardon. À 12000, 13 maintenant. 13000. Nous sommes 3, à 13000, plus là et plus là. À 13000, Marie, je vous écoute, à 13, j'ai maintenant par Guillaume. À 13 un poulain, elles ont brûlé, donc vous pouvez constater sur les images que il est mouillé, tout simplement, parce qu'il pleut, hein, il pleut beaucoup aujourd'hui à l'extérieur. Bien vu, Marie. À 13000 euros, on l'a vu. 13000, Guillaume, merci. Le numéro 562 est présenté par l'élevage Marquise de Moratala et vendu pour réduction d'effectifs. Une femelle Ben et le... Allez, c'est vendu 13000 euros. Maintenant, on va passer de nouveau à une foal, le 562, Rio Amable, présenté par l'élevage de la Marquise de Moratala, qui est en pleine réduction d'effectifs hein, depuis plusieurs mois déjà. Elle vend au fur et à mesure sa production. C'est la souche de Saki sous la quatrième mère. Saki vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe. Pour la fille d'Elusive City. À 4 ans. Un cheval qui se termine un accident, hein. Il avait été deuxième du derby d'Epsom de Sindar, de l'inapprochable Sindar, et puis il avait été absent de toute l'automne de ses 3 ans. Il avait été accidenté, puis il était revenu l'été suivant, vainqueur des International Stakes à York. Premier produit d'une gagnante. Et puis après, il s'était véritablement envolé dans le prix de l'Arc de Triomphe. Avant de terminer deuxième de la Breeders' Cup classique, hein. Il avait tenté le coup sur la classique, hein. C'est plus dur que sur le turf, bien entendu. Puis aussi sur des surfaces artificielles, il avait conclu troisième de la Dubai World Cup. Alors, la pauvre là, elle est congelée, là. Vous voyez qu'elle est très froid, elle est protégée, mais elle a très très froid. C'est vrai que dehors, là, le climat est hivernal.
3000, à 5, à 5000. Rio Amable, la mère, est une fille de Dylan Thomas, la grand-mère est pas. Linamix. 5005, à 5500 l'enchère, à 5500. C'est aussi la famille de Master Craftsman d'ailleurs. À 6000, à 6000 euros, à 6 à 6000, à 6000 euros, à 6000. De Raise the Memory, River Memories, des chevaux qui étaient entraînés à l'époque par Patrick Biancone pour le compte de monsieur Alan Clore. 6500, 7000, j'ai 7000 à 7, à 7000. 6500 ici, à 6500 ici, à 6500, bien vu, à 6500, dernière fois, à 6500, merci, à 6500, pas de regret, à 6500, fini, à 6500. On la juge, Alexandra, 6500. Le numéro 563 est présenté par le haras de... Alors, un nouveau UFOL désormais après l'adjudication à 6500 euros du lot 562. C'est Dancila, déjà nommée, donc présentée par Laura de Grand Camp. C'est une fille de Zambezison avec la mère Parai Chaparral, un croisement très classique donc. Bonne famille de pouliches ici là. Combien débute-t-on? La mère était solide, hein. 4 victoires. 2000 euros, 2000. Elle a gagné à Saint-Cloud notamment et c'est son premier produit là, la pouliche de Zambezison. Elle est née le 14 mars, elle est bien faite. Elle n'est pas très grande mais elle est très jolie, elle est bien signée course. Vous êtes 2 à 2000, à 2000. Donc c'est le premier produit de la mère, une bonne souche de femelle comme le disait Eric juste en introduction puisque Ixiniri, la grand-mère, l'a gagné le Camargo et la Saraka à Evry à l'époque, des listed, elle a donné Polygreen. Bien vu à 4, à 4000. Qui était chez Vertemer, je crois, bonne jument, hein, pareil, gagnante de listed. Elle-même mère de Evaporation, gagnante de listed. Multiple placé de groupe, deuxième du prix du pain, du Edmond Blanc et du Pert. Là, on était dans le registre du mile. Mais on a un croisement plus classique avec celui de Zambezison, vainqueur du Grand Prix de Paris et du prix Foix. Sur la mer par Aïcha Parral. C'est un vrai cheval de 2400 mètres. Merci. À 7000, Alexandra. À 7000, dernière fois. Tiens, il y a la publicité sur Norris Catol. Ça me fait penser que Loïc Stecher n'est pas avec moi à ce moment-là. Non pas parce qu'il n'est pas réveillé, mais non. Tout simplement parce qu'il est en train d'écrire des articles. Notamment un article pour vous dire que il va y avoir le frère de Norris Catol et donc de Nickname qui s'appelle Nom de Dela qui va débuter la monte de façon en tout cas publique au haras du Mazet à côté de Pompadour chez Mathieu Talleux à partir de 2015. Il va faire le meeting d'obstacles à Cagnes là qui va démarrer et puis après il va débuter étalon public. Alors pourquoi je le précise public? Parce que pour le compte d'Alexandrine Berger et Jean-Paul Gallorini, propriétaire de Nom de Dela, le cheval a sailli 5 juments l'année dernière histoire de le tester de façon privée, mais c'était des juments d'élevage Gallorini Berger. Voilà donc pour Norris Catol, l'étalon très populaire, 131 juments cette année, 130 juments l'année de ses débuts l'an dernier, donc en 2013. Une fille de Kimambo. Donc on espère bien sûr que Nom de Dela va être aussi populaire, fils de Lost World. Allez, le 564 est une fille de Kimambo. Oh, Kimambo présenté par le haras des Capucines. Et avec une mère par Saddle Swell, elle s'appelle Rosa Park. 1500 euros qui m'a gros pédigré. Elle est pleine de Linda Zlad qui fait la monte au haras de Grand Camp. Le haras de Grand Camp qui présentait le lot précédent. 5G à 1500 Rosa Park, elle a été deuxième de listed. Elle a été troisième de listed. C'est la propre sœur de Mikado qui n'est pas un jeu ni un gâteau, mais qui est aussi un bon cheval qui a gagné listed les Diamond Stakes. Mais aussi Rosa Park, je dirais qu'elle est aussi demi-sœur de Coretta qui était meilleure que Mikado. Parce que cette pouliche par Carleone a gagné plusieurs groupes 2, 4 en l'occurrence, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Elle a aussi été deuxième du Flower Bowl International. 3000, j'ai à 3, 3000, à 3000, à 3000, suivant 3, à 3000, à 3004, 3005, 3500, 3500 plus vite, 4000, voulez-vous, 4000, vous êtes à 4, à 4000, à 4, à 4000 euros, à 4, à 4000, à 4000, bien vu, à 4000, fini, 5000, nous sommes à 5000, à 5000 euros, l'enchère à 5000, à 5, à 5000 ici. C'est la famille aussi de Free Atlas, la grand-mère qui a gagné groupe 3 aux États-Unis, est une sorte de Baratea, Gossamer, Zabar. Im Kaldoun, gros pédigré. On n'en est qu'à 6000 euros. Bon, la mère, elle a rien fait. Son premier produit qui s'appelle Simple Charm par Mutatir, qui est aujourd'hui poulinière, n'a pas gagné. Le deuxième produit, la 3 ans, femelle par Mutatir, n'a pas gagné non plus. Par contre, le yearling, la femelle d'Orpen, a quand même été vendu 38000 euros. Et là, à 5500 euros, on est resté collé avec Simple Act. On la juge.
5500, dit Eric Oyo avec un ton grave et ténébreux. Masse par Ken d'Argent et Rose du Roi. Un fils de Ken d'Argent. Une mère qui a produit 7 vainqueurs. La mère de mise sur le sirène d'Oloise, la mère de Miguel. Demi sur le 7 vainqueurs, le Ken d'Argent, combien de buts dans 5 000, 3 000, le Ken d'Argent, 3 000, j'ai à 3 000, bien sûr 4 000, 5 000, la mère par Royal Academy, un bon croisement, 5 000, vous êtes 5 à 5 000. Et oui, Diamond Green, étalon au ras des granges, très bon étalon à Diamond Green. D'argent 6, à 7 000, j'ai à 7 000, à 7 000, suivant 7 à 7 000, à 7 000, bon poulain de Ken d'Argent, à 7 000, à 7 000 euros, 7 à 7 000, à 7 000 qui prend le relais de 7 à 7 000, à 7 000 euros, une mère qui produit à 7 000 euros, à 7 000 euros qui m'appelle au date de 7, pourquoi 7 005, un Ken d'Argent. 7 500, à 7 500, 8 000, bien sûr, à 8 000, à 8 000, demandez 9 maintenant, à 8 000, à 8 000, j'ai 9 000, bien sûr, 9 000, l'aura l'enchère à 9 000, 10 000, l'enchère 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, l'enchère, j'ai 11 000, à 11 000, maintenant j'ai à 11 000, à 11, à 11, 12, 12 000, Vladimir à 12, à 12 000, à 13, 13 000, l'aura l'oken d'argent, 14, 14 000, vous êtes 14 et plus là, 15 000, 15 000 et plus là, 15, j'ai 16 000, 16 000, l'enchère à 16, à 16 000, à 16 000, l'oken d'argent à 16, à 16 000 euros, à 16 000 euros, vous êtes 18 000, 20 000, 20 000, le ken d'argent, 20, vous êtes 20 000, à 20 000, l'enchère à 20 000, le ken d'argent, 20, à 20 000, à 20 000 maintenant, à 20 000, votre enchère à 20, à 20 000, nous sommes à 20, à 20 000, votre enchère Vladimir à 20 000, plus Laura à 20 000, et on va juger à 20 000, merci, à 20 000, Vladimir à 20 000, dernière fois à 20 000. Alors le foule de Ken d'argent et Rose du Roi par Royal Academy, j'ai 21 000, c'est le neveu de Sirène d'Oloise, excellente pouliche de chez Alain Bonin, qui a gagné le prix d'Omal. À 21 000, fini, 22, il a dit 22, à 22 000, 3 voulez-vous. À 20... La mère, c'est une matrone, hein, Rose du Roi. Elle a gagné en Allemagne, elle a fait 11 produits, 9 ans en âge de courir, 7 vainqueurs. Pas de black type, certes, mais des bons chevaux. À l'enchère, 24, 24 000 par ailleurs. À 24 000, Vladimir. À 24 000, Vladimir, 5 voulez-vous. À 24. Pour avoir tout le détail, il vous suffit de cliquer sur le bouton afficher les infos du long cours, là, juste en, cours, en, juste en dessous de l'écran du direct, et vous avez la galerie. Média qui s'ouvre avec le pédigré et également la photo de Sirène d'Oloise, donc l'élément de référence dans cette famille. Merci. 6, 26 000, 26 000 l'enchère à 20 000. Et alors, Ken d'Argent, c'est commercial. Hein. À 26 000, fini. À 26 000, merci. À 26 000, Diamond Green est commercial, hein, le cheval dont on parle qui est à droite de l'écran de diffusion. 26 000 euros. Tantôt, vous avez vu les images tout à l'heure, mais également Ken d'Argent, bien sûr. Le trio magique Ken d'Argent, Sioni, Le Havre. 26 000 euros. On a le juge. 26, merci. Le numéro 566 est présenté par le haras du... Voilà, c'est vendu à 26 000. Alors, Mr. Sydney... ...de l'entraînement par Mr. Sydney... Elle perd du 566. Mr. Sydney a fait son début de carrière comme étalon. Ouara Duquesne, ce fils de Stormcat, d'une origine purement américaine, et Tommy Zeus Delight, la mère, qui a été quatrième de la Breeders Cup Classic, on en parlait hier, à propos de Essina et Banshee Breeze, et Keeper Hill, qui avait fait ce trio gagnant de la Breeders Cup Distaff, qu'est-ce que j'ai dit, Classic Breeders Cup Distaff en 98 à Churchill Down, et Tommy Zeus Delight. Donc, elle est la mère de Mr. Sydney. Alors, Mr. Sydney part aux États-Unis. 2500. Repart aux États-Unis, je dirais, d'où il vient d'ailleurs. Il n'était pas si populaire que ça en France, donc il était logique qu'il revienne dans son pays où il sera beaucoup plus connu et reconnu. Les sous de Stormcat sont moins populaires en France aujourd'hui qu'elles ne l'ont été. Bon, on a Hurricane Cat, hein, qui marche très bien en tant que fils de Stormcat, mais la mode est un peu passée. Donc le cheval repart aux États-Unis. C'est la famille de Goldikova. À 5 000 euros. Sous la troisième ère, regardez le pédigré. Golikova. Galikova, sa sœur, qui était très bonne aussi, hein, gagnante du prix Vermeil. Deuxième du Diane. À 6 000, l'enchère à 6, à 6 000. Et puis Anodin, un autre frère encore, qui lui a gagné le prix Paul de Moussa, qui a terminé deuxième du Jacques Lemarois et de plusieurs autres groupins et de la Breeders Cup, du Breeders Cup Mile tout dernièrement. Et qui rentre étalon au haras du Kenney. Fabuleuse recrue que celle de Anodin. On l'a vu, 6 000. Propre frère de Goldikova. Et cette pouliche de Rayonnant, qui s'appelle Rayonnante, n'est adjugée qu'à 6 000 euros, alors qu'elle avait un superbe modèle. Elle sort de l'entraînement, elle n'a pas couru, elle a 3 ans. Et Royal Shyness, elle est pleine de Siouni. Et à noter dans sa production, en 2014, elle a eu une femelle par Elsa Ham. Donc elle a eu une femelle en 2014, elle est pleine à mon service le 16 avril de Siouni. C'est une fille de Corano Quest.
Son premier produit est un vainqueur. Combien offre-t-on pour débuter? Incroyable ça. 5 000 euros. 5 000 qui m'appelle à 5 à 5 000. À 5 000. In fall to see uni, 5 000. 5 000 euros. 5 à 5 000 qui m'appelle 5, 5 000. 5 000. 5 000 euros. 5 000 euros. 5 000 euros qui m'appelle à 5 à 5 000. À 5 000. À 5 000. 3. 3 000 pour débuter bas. 3 000. Plus vite. Plus vite. 3 000. À 3 000. Pleine de see uni, 3 000 bien sûr. À 3 000. À 3 000. Vladimir à 3. 3 000 suivons. À 3 000. À 3 000. L'enchère 3. 3 000. À 3. À 3 000 euros. À 3 000 euros. À 3 000 euros. L'enchère à 3 000. 3 000. À 3 000. Nous sommes 3 000. À 3 000 euros. À 3 000 euros. L'enchère à 3 000. Bien vu. À 3 000. Dernière fois à 3 000. 4. 4 000. 4 000. Vous êtes... Alors, solo 557, elle s'appelle Question, c'est une fille de l'américain Coronado Squares, d'ailleurs elle-même est américaine. La mère aussi est américaine, Royal Shyness par Royal Academy. Enfin non, américaine, elle n'est pas américaine, elle est anglaise, puisqu'elle a été troisième des Cheverly Park Stakes à Newmarket. La jument en question est pleine de Sioni, ce qui est une bonne idée avant de passer sur un ring de vente. Elle a donné un vainqueur qui s'appelle Happy Sir Percy, fils de Sir Percy qui gagnait à Deauville le prix de Bakeville. 9 000 euros, à 9 000, 10, 10 000, non, 10 000, mais pleine de Siouni quand même, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, c'est où? À 10 000, à 10 000 bien sûr, à 10 000 euros, à 10 000 euros, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros. Alors vous étiez encore très nombreux devant votre écran de France Cire TV devant les ventes de décembre hier. 11 000 euros, maintenant vous êtes à 11, à 11 000, à 11 000. 4 800 spectateurs hier, très important. À 11 000 euros, l'enchère à 11 000. À 11 000 euros, pleine de Siouni, merci de votre aide. À 11 000 euros, bien vu. À 11 000 euros, fini. On vous remercie tous d'être présents devant votre écran. Alexandra, 12 fresh bidder à 12 000. 12 000, maintenant j'ai l'enchère à 12 000. À 12 000, à 12 000, à 12 000, vous êtes à 12, à 12 000. À 12, à 12 000 euros, à 12, à 12 000. Et surtout, vous avez été très patient. Hein, en moyenne, le moyen de temps moyen de consultation est de plus de 10 minutes, ce qui est considérable sur Internet. À 13 000 vues, à 13 000 et plus là. 14, j'ai 15, voulez-vous, j'ai 14, 15, voulez-vous, j'ai 14, 14, à 14 000, ici, à 14, 15 000, 15 000 en haut, à 15, 16, 16 000. Vous avez aussi beaucoup regardé le bilan de la première journée, qui est très riche, hein, beaucoup d'explications, d'anecdotes, d'histoires, de vidéos, de photos. À 16 000 euros, bien vu, à 16 000 euros. Voilà, des téléspectateurs qui viennent de France, bien entendu, mais aussi de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, de Tunisie et du Maroc. Le numéro 568 est présenté par l'élevage de Tourgeville. Une femelle benne est le 21 mai par Mr. Sidney et rue d'Alsace. Faux, la mère placée de course principale, une fille de Mr. Sidney, combien offre-t-on pour débuter? La fille de Mr. Sidney, faux, combien offre-t-on pour débuter? 2 000 euros, 1 500 qui m'appelle à 1 500, à 1 500, j'ai 1 500, c'est par nous, à 1 500, votre enchère à 1 500, à 1 500, votre enchère à 1 500, Alexandra, 1 500 qui m'appelle au-delà de 1 500, à 1 500 euros, à 1 500 euros, à 1 500 euros, Alexandra, vous êtes à 1 500 et on va juger seulement 1 500 à 1 500, à 1 500, 2 000 euros, 2 000, vous êtes à 2 000, à 2 000, vous êtes l'enchère à 2, à 2 000 euros, à 2, à 2 000, à 2 000, à 2 000, j'ai par nous à 2 000, bien vu, à 2 000, fini, à 2 000, pas de regret, à 2 000, vous êtes, vous, à 2 000, 3, 3 000, 3 000 euros, l'enchère à 3, 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, l'enchère à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, la mère par Danoïl Danseur à 3 000, bien vu Alexandra, à 3 000, on va juger 3, dernière fois, 3 500, 4 000, 4 000, j'ai à 4 000, à 4 000, à 4 000, à 4 000, l'enchère 4 à 4 000, 4 000, vous êtes 4, à 4 000, merci, 4 000, bien vu, à 4 000 ici, à 4 000, dernière fois à 4 000, à 4 000 euros fini, à 4 000 euros. Alors le 568, 4 000 euros, pas après la vente à 16 000 euros du 567. Euros. Quand on parlait tout à l'heure de Storm Cat, je vous disais qu'il y avait Hurricane Cat comme étalon fils de Storm Cat en France, mais aussi Cat Junior à découvrir, le neveu de l'Inamix. C'est par nous, Alexandra. Oui, j'étais à 4 500. 5 000. À 5 000. 5 000 euros, l'enchère à 5 000. 5 000. À 5 000, merci. À 5 000, bien vu. À 5 000, ici. À 5 000 euros. On l'a juge. Alexandra, 5 000. Le numéro 569 est présenté par Coulon's Consignment, rue Lafayette, jument bay par Flying Spur et rue Pigalle. Elle est pleine de style Vendôme. Et notez que son 3 ans, Vico Soprano, est gagnant à Chantilly depuis la parution. Elle est pleine de style Vendôme.
C'est la mère d'un vainqueur. Rue Lafayette, toute bonne jument, de vitesse, gagnante en Allemagne et à Tabi en Suède. Combien offre-t-on pour débuter? 3 000 euros qui m'appelle à 3 000, j'ai bien sûr 3 000, l'enchère 3 000, à 3 000 euros, 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, l'enchère 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000, vous êtes 3 000, à 3 000 euros, 3 000, 4 000, 4 000 euros, 4 000, pleine de Sylvandum, 5 000 euros, 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000, l'enchère 5, à 5 000, 6, à 6 000, à 6 000 euros, 6, à 6 000 euros, à 6, à 6 000, à 6 000, à 6 000 euros, l'enchère à 6 000, bien vu, 6 000, fini. 6 000, dernière fois 7, 7 000 euros, 7, à 7 000, vous êtes 7, à 7 000, plus vite, à 7 000, merci, à 7 000, dernière fois, à 7 000, 8, 8 000, 8 000, vous êtes à 8 000, plus là, 8, votre enchère à 8 000, merci, 8 000 ici, 8 000, Vladimir, à 8 000 euros, fini, à 8 000 euros, merci, à 8 000 euros, on la juge, Vladimir, 8 000, merci. Le numéro 570 est présenté par le haras du logis Ruffles, jument Alsane par Médali Ruffles. Elle est pleine de Krakador. Pleine de Krakador, la fille de Médali, demi-sœur de Go-Between. Pleine de Krakador. Combien débute-t-on pleine de Krakador? 2 000 euros, 2 000 qui m'appelle à 2, à 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000, l'enchère 2 qui m'appelle à 2, à 2 000, à 2 000, à 2 000, 1 500 qui m'appelle à 1 500, à 1 500 euros, 1 500 qui m'appelle à 1 500, à 1 500 euros, 1 500 qui m'appelle à 1 500, à 1 500 j'ai Audrey maintenant, à 1 500 j'ai Audrey, l'enchère à 1 500, à 1 500, 2 000, 2 000, vous êtes à 2 000, à 2 000, l'enchère Alexandra. À 3 000 euros, l'enchère à 3 000, vous êtes à 3 000, pleine de Krakador, à 3 000, à 3 000, à 3 000, merci, 3 000, bien vu, à 3 000, on peut être jugé, à 3 000, dernière fois, à 3 000, dernière chance, à 3 000 euros, à 3 000 euros, Alexandra, l'enchère à 3 000, pas de regret, nulle part, à 3 000, merci, à 3 000, fini, à 3 000, pas de regret, Alexandra, l'enchère, à 3 000 euros, fini, à 3 000 euros. Pardon, excusez-moi, à 3 000 euros, Audrey, à 3 000 euros, on la juge, Audrey, pardon et merci. Le numéro 571 est présenté par le haras d'Elbe, un poulain ben et le 31 mars par My Boy Charlie et Sabella. My Boy Charlie, la mère est par Sindar ici, donc My Boy Charlie... Père de bon vainqueur, la mère est gagnante, a produit déjà des vainqueurs, 2 vainqueurs, Sweet Chloé, Chistera, un poulain avec du cadre ici, et la famille de Galactea, de 6 stars, et on débute à combien, allons-y, voulez-vous 10 000 euros, y a-t-il pour l'heure à 10 000 euros, 5 000, 3 000 euros, 1 500 minimum, l'enchère minimum, 1 500, Guillaume, à 1 500 l'enchère, à 1 200, à 1 500, à 1 500 l'enchère, Guillaume, à 2 000, à 2 000 euros l'enchère maintenant, 3 000, 3 000 euros maintenant, Guillaume, à 3 000 euros l'enchère, à Guillaume, à 3 000, à 3 000 euros, 4 000, à 4 000 euros maintenant, Vladimir, à 4 000 euros, Vladimir, votre enchère à 5 000, 5 000 euros maintenant, Guillaume, l'enchère à 5 000, à 5 000 euros, à 5 000 euros, Guillaume, c'est votre enchère à 5 000, à 5 000 euros l'enchère à gauche à 5 000, à 5 000 euros ici encore à 5 000, à 5 000, à 5 000 euros l'enchère à Guillaume à 5 000, à 5 000 euros l'enchère là à gauche à 5 000, 5 500, à 5 500 Guillaume votre enchère 4 500. 4 500 euros, Guillaume l'enchère. À 4 500, 5 000. 5 000 euros, Vladimir. À 5 000 euros l'enchère. My Boy Charlie, à 5 000. À 5 000 euros l'enchère. À 5 000 euros l'enchère, à ta droite, à 5 000. À 5 000 euros l'enchère, Vladimir, à 5 000. À 5 000. À 5 000 euros ici encore, à 5 000. À 5 000 euros, mettez l'enchère, à 5 000. À 5 000. À 5 000 euros, fini, Guillaume, à 5 000 euros l'enchère, j'ai vu, à 5 000 euros, très grand, 5 000. À 5 000 euros. À 5 000 euros, si vous voulez, à 5 000 euros l'enchère, à droite, à 5 000. À 5 000 euros, bien vu, pas de regret, pas d'erreur. À 5 000 euros l'enchère, à droite, par vous, Vladimir, 500. 5 500 maintenant, nouvelle enchère, à 5 500, vous êtes 2. À 5 500, que dit le second? À 5 500, mettez 6 000, voulez-vous 6 000? À 5 500, bien vu, nous vendons. À 5 500, Vladimir, c'est votre enchère par vous et qu'on le revoit à 5 500. À 5 500 euros, l'enchère est à droite. Bien vu, fini. On est juge. Vladimir, 5 500, votre enchère. Le numéro 572 est présenté par le haras d'Oméel, un poulain Alsan, et le 23 février par le Havre et Sabi Sabi. Le Havre, un bon poulain ici, Le Havre, un bon poulain de Le Havre qui se déplace bien.
La mer par Open, un premier produit du Mer Cagnon. À 100 mètres du but, fusil attaqué par le Havre, la côte. Le Havre qui prend les meilleurs, qui va s'imposer. Le Havre qui s'impose avec Christophe Lemaire devant Fusé. Vestalia, Mèche, Capadoblou. 3 000 euros l'enchère, oui. 3 000 euros l'enchère, les plats. 3 000, 3 000 euros Guillaume. À 3 000 euros, c'est Guillaume l'enchère. À 3 000, 3 000 euros l'enchère. Il est signé le Havre. À 3 000 euros Guillaume l'enchère. À 4 000, à 4 000 euros l'enchère. À 13 000 euros, Laura l'enchère. À 14 000, à 14 000 euros enchères à droite. À 15 000, à 15 000, à 15 000 euros l'enchère. À 15 000 euros, 16 000 enchères. À 16 000, à 16 000 euros maintenant. À 18 000, à 18 000 euros, Dominique l'enchère. À 18 000, à 20 000, à 20 000 euros maintenant, Vladimir. À 20 000, 22 000, à 22 000 euros. À 22 000 euros, un bon Le Havre. À 22 000, à 22 000 euros, à 25 000, à 25 000 euros, Guillaume. À 27 000, à 27 000 euros, ma droite l'enchère. À 27 000, à 27 000, Le Havre. 30 000. 30 000 euros maintenant, 32 000 euros l'enchère, bien sûr. Un poulain très sérieux ici à 32 000, à 32 000 euros l'enchère. À 32 000 euros l'enchère, à 32 000 euros, c'est encore à 32 000, 35 000. À 35 000 euros l'enchère, à 37 000 euros. À 37 000 euros l'enchère, Dominique, à 37 000. À 37 000 euros l'enchère. À 37 000 euros, Isolor, les Colts, à 37 000. À 37 000 euros l'enchère. À 37 000 euros, un tout bon poulain ici. À 37 000 euros l'enchère, et toujours à Dominique l'enchère. À 37 000 euros, pas de regret, pas d'erreur. À 37 000 euros, nous vendons à Dominique l'enchère. À 37 000 euros, bien vu. 40 Dominique, 40 000 euros, tata pas vous, à 40 000 euros, c'est Dominique l'enchère, à 40 000, à 40 000 euros Dominique, à 40 000, à 40 000 euros Dominique l'enchère, à 40 000 euros Christelle, c'est contre vous, à 40 000, 1, 41 000, 41 000, 41 000, 41 000, 2, 42, 42 000, 42 000 euros maintenant, 42 000 euros l'enchère est là, à 42 000 euros, bien vu, l'enchère est là, à 42 000 euros, et on va la juger à 42 000, 3, 5, 45 000 euros, elle est là, l'enchère, je vais la juger à 45 000 euros, bien vu. À 45 000 euros, l'enchère est là, 6, désolé, presque. 46 000, à 46 000 euros, si vous voulez 7, voulez-vous 7, monsieur. À 46 000 euros, voulez-vous 7, à 46 000 euros, l'enchère est là, toujours à 46 000 euros à droite, l'enchère. À 46 000 euros, un bon Le Havre, à 46 000 euros, mettez 7, oui, non, fini, Dominique. 46 000 euros, l'enchère est là, bien vu, on la juge. Monsieur Sylvain Vidal, merci. 46 000 euros. Alors, on a parlé de Le Havre, qui fait la montre, bien sûr, hein, de la Covinière, comme vous le savez tous. Par le haras de la Louvière. Et le produit de Le Havre, qui vient de passer sur le ring, vient d'être acheté à 560... qu'est-ce que je raconte ? Celle 572. Et vient d'être acheté 46 000 euros. C'est un foal présenté par le haras de Mel par Sylvain Vidal du haras de la Covinière. Ce fils de Sechberg, allons-y, le père de Pittsburgh, voulez-vous 5 000, 3 000 La mère Sabi Sabi par Orpen. Lauréate à 2 ans nous proposait son premier produit. La famille de Torres Trella, la fille d'Orpen d'ailleurs, gagnante de la poule laissée des pouliches. Donc c'est le même croisement. Sabi Sabi est d'ici du même croisement que celui de Torres Trella. Enfin, même pas ici du même croisement, c'est la toute proche cousine, trois quarts sœur de Torres Trella. Et là, c'était un beau poulain alsan de Le Havre. 46 000 euros. 7 000 euros l'enchère. 7 000, 8 000. Alors maintenant, on va passer 8 000 euros. 8 000 euros l'enchère à 8 000. À 8 000 euros, Guillaume l'enchère à 8 000. Le haras de la Louvière, le 573, un fils. 8 000. 8 000 euros l'enchère. De Sedgebourg. 9 000, 10 000, 10 000, Guillaume. Alors, il est présenté sa robe, c'est BBG. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça, BBG. Mais c'est BG, je connais, mais BBG, je ne connais pas. Est-ce que ça veut dire Bébrin gris? Est-ce qu'il va tourner gris, ce cheval? Oui, il est peut-être bien gris, très, très, très foncé, ce qui est quand même pas étonnant, parce que son père est gris, non, son père est pas gris, Sedgebourg. Je m'en mélange les crayons. C'est le frère de Sagamix, mais lui, Sedgebourg n'est pas gris. À 13 000 euros, nous vendons à 13 000 euros l'enchère à Guillaume, à 13 000. À 13 000 euros, bien vu, il n'y a pas de regret ailleurs, à 13 000. À 13 000 euros, on va la juger. Si, 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 il est gris, Sedgebourg. Non, non, mais je confonds avec Sagacity, qui est un autre frère encore, par, Enchère à Guillaume, à gauche, pas d'erreur. Bien vu, fini ici. À Yostonor, Sedgebourg, c'est un Johannesburg, et la mère est par vague, là. 13 000 Guillaume. Bon, bref, il était jugé 13 000 euros. C'est le poulain présenté par le haras de la Louvière. Le haras du Mondi issu de la famille de Salpinx. Par Empire Maker. Empire Maker, qui fait désormais la monte. Post. Voilà, JBBA, c'est-à-dire l'équivalent des haras nationaux en... au Japon.
Elle est pleine de que vous pouvez voir d'ailleurs. Les images d'Empire Maker, vous pouvez les voir sur France Cire TV à l'occasion dans le road trip que nous a proposé Patrick Barbe dans les haras méconnus du Japon. C'est-à-dire autre que Shaddai. Empire Maker, un gagnant des Belmont Stakes, très bon étalon aux États-Unis, qui est arrivé désormais au Japon. Le cheval avait été acheté par Narvik International, c'est-à-dire Emmanuel de Serreau. Prime Maker s'appelle cette jument. Elle est pleine de American Post. American Post qui fait la monte, parlons-en en ce moment, pour la première fois cette année, à 3 500 €. Au haras de Trébant dans l'Allier, il a quitté le haras d'Étréant, où il avait fait tout son début de carrière d'étalon. C'est un excellent étalon d'ailleurs, American Post. Il n'est pas très grand, d'accord, mais il produit solide, il produit sérieux. Il a fait beaucoup de vainqueurs de Black Type, en plat essentiellement. 3500 maintenant, Vladimir, à 3500, 3500 bien sûr, à 3500, l'enchère est là à droite, à 3500, à 4000, à 4000, l'enchère à 4000, à 4000, à 4000, l'enchère à 4000, l'enchère à 4000, l'enchère à 4500, 4500, 4500, à 4500, Vladimir, à 4500, Vladimir, l'enchère. Oh, les belles images qu'on vient de voir en direct. À 4500, l'enchère est là à droite. On est juste à côté de l'auctionneur. Enchère à droite, à vous, Vladimir, à 4500 €. On adjuge. Vladimir, 4 500 €, votre enchère. Il y a eu une enchère, mais elle était tombée sous le marteau, donc elle n'a pas pu être prise. Summer Lemon. Prime Maker, donc 4 500 € pour la jument pleine d'American Post. Elle est pleine de ça. Pour sa première saison de monte, elle avait coulé de calais. Très bien, bon. Avec du cadre. Alors on passe au haras des Embruns, dans la Loire-Atlantique, tout près de la mer, d'où son nom des Embruns. Elle est pleine de ça. Summer Lemons, fille de Lemon Drop Kid. Allons-y pour cette fille de Lemon Drop Kid. Lui-même issu de Kid Mambo. Et la mère, elle est par Ali Sheba, donc une souche assez américaine. Lemon Drop Kid était aux États-Unis. Kid Mambo a fait toute sa carrière d'étalon à Claiborne Farm aux États-Unis. Une souche qu'on a. Une souche. C'est la même souche de celle de Salpinks dont on a parlé il y a deux numéros. C'est quand même la sœur Summer Lemons. Elle est pleine de Sedgebourg. Hein. Ça y est payé, je le rappelle. Son premier produit de deux ans, Paramedus Wolf, est à l'entraînement. Ensuite, il y a une yearling de Silver Frost et une foal de Weeper. C'est la sœur de Sahara Slew qui a gagné les Rebelsdale Stakes. Course de groupe 2 pour femelles de 3 ans sur 2400 mètres pendant le meeting de Royal Ascot. Eh oui. 11 000 € l'enchère. Royal Ascot. 11 000 € l'enchère est à gauche, à 11 000 €, et pas Vladimir, et pas vous. Oui, 12 000 € maintenant, 12 000 € l'enchère. À 12 000 € c'est encore, à 12 000 € mettez l'enchère, à 12 000. À 12 000 € mettez l'enchère, à 12 000 €, que faites-vous à 12 000 €? 13 000. Summer Lemons. À 13 000 € l'enchère, à 13 000 € à gauche l'enchère, 14 000 € l'enchère. À 14 000 € ici encore, à 14 000 € mettez 15 000, à 14 000, à 14 000 € 15 000. Ah, l'opposition faiblit maintenant à 15 000. À 15 000 euros, encore un petit effort, Vladimir. À 16 000, 16 000 euros maintenant, 16 000 euros, nous vendons à 16 000. À 16 000 euros, bien vu, l'enchère est là-bas à droite, à 16 000 euros. À 16 000 euros, c'est Vladimir, l'enchère, et on va la juger. Lemon, Drop Kid, 17. 17 000. 17 000 euros, c'est jamais fini, pleine de Sedgebourg. À 17 000 euros, à 17 000 euros. Alors, monsieur, encore un instant, un moment de réflexion, à 17 000 euros. Vladimir, c'est contre vous. 18, il est revenu à 18 000 euros l'enchère, à 18 000 euros l'enchère. À 18 000 euros arrondissez, mettez 20, voulez-vous 20, Alexandra. À 18 000 euros, mettez 20. À 18 000 euros arrondissez, mettez 20, voulez-vous 20. Oui, non, Alexandra. 20 000 maintenant, Alexandra. À 20 000 euros l'enchère, Alexandra. À 22 000. À 22 000 euros, c'est pas fini. À 22 000. À 22 000 euros l'enchère maintenant. À 22 000 euros l'enchère, elle là-bas à droite. À 22 000. À 22 000 euros l'enchère, à 22 000 euros l'enchère, à 22 000 euros l'enchère là-bas. À 22 000 euros. À vous, Vladimir. 22 000 euros. Fini, Alex. Tiens, je vois Patrick le marié qui est à côté de la directrice du haras des Embruns. 22 000 euros, Vladimir, FBA. Merci, monsieur. Le numéro 500. La FBA qui vient d'acheter. 22 000 euros. Alors ensuite, on va passer au 576. Une jument pleine de Kamsin. Mère, sœur de Santa Sofia. Et la mère d'un vainqueur gagnant à 2 ans. Elle est pleine de Kamsin. Kamsin, donc, gagnant du Dutch Derby. Père de Sakamira. Voilà, gagnant du Derby allemand, Kamsin. Cette fille de In the Wings. 1500, 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
1500 l'enchère, vous 1500, oui. 1500, j'ai une enchère à droite à 1500. 1500, on l'enchère là. À 1500, une obida à 1500. 1500, à une seule enchère à 1500. 2000, Bernard, le commissaire priseur. Une jument de In the Wings qui était un étalon minuscule, 1m55, excellent étalon pour autant. À 4000 euros. Mais elle est pleine de Kamsin, mais. Voilà, elle est née en 2003, elle va prendre 12 ans, pour l'instant elle n'a rien fait d'intéressant. Un gagnant en Russie, Sir Alex, qui a gagné à 2 ans en Russie. Probablement donc, en fait il y a 4 ou 5 hippodromes en Russie, je peux vous dire j'y suis allé, il y en a un à Moscou, autrement, parce que c'est quand même la capitale, et puis que Vladimir Poutine monte à cheval tous les matins à l'hippodrome de Russie, c'est vrai. Il adore les chevaux. Il y a d'autres défauts à côté, mais enfin bon, ça au moins c'est une qualité. Et autrement, la grande majorité des hippodromes de Russie sont dans le sud de la Russie. C'est un assez bon niveau, hein, les courses russes. On les connaît très mal, mais je les ai vues. Course de vitesse, un peu un rythme à l'américaine, un petit peu. Voilà, le problème, c'est qu'elle avait fait que ça, et à côté des morts, des enterrés, des pas bons, des non-partants. Donc voilà, 4000 euros, on va. Alors, le 577, Samando, très bonne jument de course. Samando, gagnante du prix de Royal Lieu, du prix Exbury, un groupe 2, un groupe 3. Multiple placé de groupe également. Pleine de Manduro, une jument d'origine allemande, Samando, présentée par l'oreille de Préau, une fille de Hernando. Elle est entre deux eaux, Samando. Elle va prendre 15 ans. Elle a donné naissance à. Elle a couru assez longtemps. Elle a donné naissance à plusieurs produits. Trois vainqueurs quand même. Un Chamardal qui a gagné 8 courses. Chamardal. Sunseeker, qu'on connaît bien, la femelle d'Anna Bablou qui a gagné 2 courses. Samourage qui a gagné 1 course. Après, il y a une 3 ans par Samoum qui est à l'entraînement en Allemagne. Et un Master Craftsman qui est à l'entraînement en Allemagne. Mais elle est pleine de. Donc ça veut dire que pour l'instant, certes, elle n'a pas donné de black type, enfin les 3 premiers produits ont gagné. Et c'était quand même une gagnante de groupe. Donc ça vaut de l'argent. Nous sommes à 30 000 euros. Elle est pleine de Manduro. Alors Manduro, c'est-à-dire qu'elle a été conçue en Allemagne, mais les propriétaires allemands ont tenu à retrouver un cheval allemand, puisque Manduro est un fils de Monsoon. Ici, là, il s'est rendu célèbre en France chez André Fabre, a fait le début de sa carrière en Allemagne sous la casaque du baron von Ullmann. Fini Guillaume, je vends à 35 000 euros. Bien vu, merci de votre aide Guillaume en tous les cas. À 35 000 euros, pas d'erreur ailleurs dans la salle, à 35 000 euros, l'enchère est au téléphone, bien vu, fini. On a le juge. 35, Freddy, votre enchère. Le numéro 570. Alors, 35 000 euros, c'était une enchère prise par Freddy Powell. Donc, l'homme d'Arcana installé en Angleterre, à Newmarket. Le fils de Sechberg, le fils de Sechberg ici. Donc, demi-frère de vainqueur de Sertolina, de Lucky Coin. Frère de deux vainqueurs. La famille de Zagreb, de Sera, de Soigné, Soudaine. Bon pédigré ici. La mère est par Gulch. Alors maintenant, on va passer à un fils de Salzbourg qui s'appelle Schwarzwald. À 1500. La vallée noire. Sans coin, la mère, elle s'appelle. Elle a fait 5 produits en âge de courir, dont 2 lauréats. Une fille de Bertolini qui s'appelle Sartolina. Et Lucky Coin, un Bluegrass 4. L'origine, alors, il y a de l'américain, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a de l'américain, il y a de l'européen aussi. La mère sans coin est une sorte de Zagreb, un fils de Théâtrical qui avait gagné le derby d'Irlande de façon impressionnante. 8 longueurs, il n'a jamais été revu après, ni avant d'ailleurs. C'est la famille des S de Wildenstein. Celle qui descend de Schönbrunn, une jument qu'il avait achetée en Allemagne, à l'époque où personne n'achetait de chevaux en Allemagne. Schönbrunn qui lui a donné tant de satisfaction, avec notamment le gagnant de l'Arc de Triomphe à 6000 euros, Sagas, et puis aussi le champion américain Stan Lane sera aussi super célèbre et pris et plus près de nous, mais cette fois-ci pour le compte de Jean-Pierre Desbois. C'est à Célita, la craque, c'est à Célita, gagnante du prix de Diane, du Vermeil, du Romanet,
de deux groupes aux États-Unis qui fait désormais la monte. Qui fait désormais la monte, qui est saillie désormais au Japon. Elle est à Chalaifa. Alors maintenant, c'est Rash Saman dont on va parler. Un foal, né le 22 janvier très tôt. Petit-fils de Stella Berry, une précoce gagnante du prix Eclipse. Arrière-petit-fils de Beaujolais, elle-même aussi gagnante du prix Eclipse. Sardanelle, sa mère, n'a pas gagné le prix Eclipse comme sa mère et sa grand-mère. Elle n'a pas couru d'ailleurs. Ce foal est son deuxième produit. Oh, il est déjà bien gris comme son père Rash Saman. Vous pouvez le constater d'ailleurs en direct sur les images avec cette photographie de Rash Saman. Magnifique cheval. Bon d'accord, il est né très tôt. Hein. Il est né le 22 janvier, mais alors il est imposant. Il a beaucoup de tenue, un bon équilibre, une épaule qui avance bien, et ça c'est important. Superbe cheval, présenté par l'HSV, c'est-à-dire le Rat de Saint-Vincent, Thierry de la Longa dans le sud-ouest, à Tarbes. À 7000 euros l'enchère, à 7000 euros l'enchère, 8000, 8000 euros maintenant, 8000, 8000 euros maintenant, 8000, ça va à 10000, à 10000 euros Guillaume à 10000, à 10000 euros 12000, à 12000 euros Guillaume à 12000. Ah oui, on est parti là. Rash Saman qui nous propose ses premiers foals. Alors l'un des premiers produits de Rash Saman, c'était assez amusant, il était né en début d'année ici en février sur le ring de vente, juste après le coup de marteau de sa mère. La mère, elle était retournée, elle était quasiment à terme, elle était retournée au box et sous le coup de l'émotion, elle a pouliné sur le site d'Arcana, donc l'établissement Élite Brignac, dans son box. Alors c'était une hyménée, c'était, ça a donné beaucoup d'émotions, un petit poulain. Même si les gens d'ici sont habitués, bien sûr, au poulinage, mais bon, ça fait toujours un bonheur extrême. À 21 000 euros l'enchère, à Guillaume, à 21 000, à 22 000, 22 000, 22 000, mon enchère. À 22 000 euros Laura l'enchère, à 22 000, à 22 000 euros Marie l'enchère. À 22 000 euros l'enchère, à 23 000, à 23 000 euros l'enchère, à 23 000, à 23 000, à 23 000 euros toujours à droite l'enchère, à 23 000, à 23 000 euros 24 000, 24 000 euros Guillaume, à 24 000, à 24 000, à 25 000 euros l'enchère, à 25 000, à 25 000, à 25 000 euros pas Guillaume et pas Sarah, 25 000, 26, 26 000 euros l'enchère, 26 000 euros l'enchère, à 26 000 euros l'enchère, à 28 000, mettez 28, 28, 28 000, 28 000 euros maintenant, 28 000, à 28 000 euros l'enchère, à 28 000 euros, monsieur Rajaman, à 28 000, à 28 000, à 28 000 euros, 30 000, 30 000 euros maintenant, Guillaume, à 30 000, à 30 000 euros l'enchère, à 30 000 euros l'enchère, là, à gauche, à 30 000 euros l'enchère, à 30 000 euros, c'est encore Guillaume, c'est que nous voilà, 30 000, 31. 31 000 euros, Rajaman. À 31 000 euros, bien sûr, les premiers produits folés, un bon fol ici. À 31 000 euros, je vais la juger. Sarah, bien vu. C'est moi. À 31 000 euros, à gauche en chair. Bien vu, fini, pas d'erreur. À 31 000 euros, on peut la juger, c'est sûr. 32. Voilà, il y a un client, c'est Ludovic Cornuel d'Arcana qui met des enchères, c'est-à-dire qu'il a un client au téléphone, là, d'ailleurs, il est au téléphone. C'est pour vous, ça, à 34 000 euros l'enchère est là, à 34 000 euros l'enchère est là, à gauche à 34 000 euros, pas de regret, pas d'erreur, à 34 000 euros, Guillaume, je vais l'adjuger, Guillaume, c'est bon, vendu, à 34 000 euros, 35, oh. 36, 36. Ça répond du tac au tac. 35, on était à 34, 35, 36 000 euros. L'acheteur présent sur place a remis une enchère à 1 000 euros. Merci de votre aide. Last time. 37. Ah, last time, non, c'était pas le last time, puisqu'il y a eu de nouveau une enchère à 37 000 euros. À 38 000 euros, je vais devoir la juger. À 38 000 euros, mettez 40. À 38 000 euros, bien vu, fini. On la juge. 38 000 euros, merci, monsieur Sylvain Vidal, votre enchère. Sylvain Vidal, donc c'est lui qui a dans ses box Rash Saman. Il défend son étalon puisqu'il a acheté le produit à 38 000 euros. Ah bah c'est sûr que ça va faire afficher des statistiques de vente de foal de Rash Saman assez impressionnantes puisqu'il nous propose bien sûr ses premiers foals. C'est la première fois qu'on voit des foals sur un ring de vente, en tout cas en France. Il doit être content Sylvain Vidal de son achat et puis aussi bien sûr Thierry de la Longa. La mère à part Somarès, bon père de mère, on débute à combien? 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, minimum, 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 1500, à 1500, à 1500 euros, l'enchère, mettez mon cher, 1500, 1500, 1500 euros Montmartre, à 1500 euros la fille de Montmartre, à 1500, 1500. Alors une 3 ans de Montmartre, issue de la première génération de Montmartre, grise par son, comme son père. 1500, 1500 euros l'enchère, 1500. Solas, non, c'est Lace Ribbons, elle a pris une place à 3 ans. Elle sort pas tout à fait de l'entraînement, hein. On voit qu'elle est pas tondue, rien, mais ça va être difficile à vendre. Ça, elle est sœur de petits vainqueurs. La mère, elle a pas très bien produit, mais pourtant la mère, c'est une sorte de Lady of Venice, fille de Le Solitaire, qui a gagné un groupe 2 aux États-Unis, qui était plusieurs fois placé groupe 1 aux États-Unis. 2000 euros, bien vu. À 2000 euros, enchère à droite, bien vu, fini. À 2000 euros. 500, ils sont l'un à côté de l'autre. 2500, 3000 monsieur, 3000,
2500, c'est à la barrière. 2500, 2500 à la barrière. 2500, 2500, 3000. Là, 500. 3000 là, 500. 4000. Non, merci messieurs. Ah, 3500 euros, bienvenue, fini. On a juge. Merci Camille, votre enchère à 3500. Le numéro 581 est présenté par le haras du Kenet, sexy, une femelle baie sortant de l'entraînement par Sindar et Siklef. À noter qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Et ajoutons que c'est la famille du 3 ans Firefighting, deuxième de Listed en Grande-Bretagne. Firefighting, c'est Savoie, c'est Citrial, c'est un très bon pedigree. On l'a encore vu hier avec l'excellente vente du très beau foal que nous avons vendu hier par Motivator, de la même famille. Vraiment une grande souche maternelle ici, très régulière. C'est la souche du Kenet, une opportunité ici pour rentrer dedans. Allons-y pour la fille de Sindar, excellent père de mère. Une pouliche dure, vrai jument de course. Et on y va. 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000, 5 000, 3 000, 3 000. À 3 000 euros, mettez l'enchère, à 3 000, oui, 3 000, 3 000 euros l'enchère. À 3 000 euros l'enchère, mettez l'enchère, à 3 000 euros un papier vivant, à 3 000, à 3 000 euros l'enchère. À 3 000 euros, mettez l'enchère, à 3 000, à 3 000 euros l'enchère, nous sommes à 3 000, à 3 000 euros. À 3 000 euros qui prend le relais, qui enchaîne de 3 000, à 3 000 euros l'enchère. À 3 000 euros, ils sont encore à 3 000, à 3 000 euros l'enchère. À 3 000 euros, une seule enchère, à 3 000, à 3 000 euros, 4 000, 4 000 euros, oui. 4 000 euros, bien sûr, 4 000, 4 000 euros l'enchère, à 4 000 euros mon enchère, à 4 000 euros, à 4 000 euros ici encore, à 4 000, à 4 000 euros l'enchère, à 4 000 euros, à 4 000 euros l'enchère, et là à gauche à 4 000, à 4 000 euros, 5 000, 5 000 euros maintenant, 5 000, 5 000 euros, 4 500, 5 000, 4 500 contre vous, à 4 500, à 4 500, mettez 5 000, à 4 500, 5 000 Guillaume. 5 000 Guillaume l'enchère, à 5 000 euros Guillaume l'enchère, à 5 000, à 5 000 euros l'enchère, à 5 000 euros 6 000, 6 000, 5 000 500, à 5 500 maintenant l'enchère, à 5 500, si encore, à 5 500, 6 000. 6 000 euros, à 6 000 euros, Guillaume l'enchère à 7 000, 6 500, 6 500 à droite l'enchère à 6 500, 7 000, 6 500 à droite l'enchère, à 6 500 toujours, à 6 500 l'enchère est à droite à 6 500, à 6 500 essayez encore à 6 500, à 6 500 qui met 7 000, à 6 500 bien vu, 7 000, non, 7 000 Guillaume, c'est Guillaume, pas vous, 500, 8 000, 8 000, monsieur 8 000, non, 7500 c'est là. À 7500 c'est là l'enchère. À 7500 euros l'enchère. À 7500 euros l'enchère est là. À 7500 demandez-lui Audrey. À 7500. À 7500 l'enchère était là Vladimir. À 7500. À 7500 euros l'enchère. À 7500 euros l'enchère. Pas d'erreur, l'enchère est là à droite. À 7500 euros. Guillaume, c'est fini? Pas 8000? Eh ben non, c'est pas fini, Guillaume, devant vous. 8000, 8000 euros l'enchère à 8000, à 8000 euros, c'est jamais fini, Guillaume, surveillez. À 8000 euros l'enchère est là, à 8000, à 8000 euros l'enchère. À 8000 euros, bienvenue l'enchère à 8000, 8000 euros. On l'a juge, bien vu, bon papier. 500. 9000, bonne jument. 9000 euros, à 9000 euros. À 9000 euros l'enchère, à 9000 euros, on y va, à 9000 euros, bienvenue, fini. À 9000 euros l'enchère est à Guillaume, à 9000. À 9000 euros, 10000. 10000, 10000. 10 000 euros là au l'enchère, à 10 000, à 10 000 euros l'enchère là-haut, à 10 000, à 10 000 euros par en bas, à 10 000 euros. Fini, monsieur, à 10 000 euros. Bienvenue, fini. 11 000. Vous êtes trois là dans le même coin. C'est pas madame, 12 000. Vous faites une erreur. Hein. 11 000, vous la perdez, merci votre aide. À 11 000 euros, c'est monsieur second rang. À 11 000 euros, c'est vous, monsieur, pas d'erreur. À 11 000 euros, bienvenue Vladimir, votre enchère. À 11 000 euros, on a le juge. Merci, monsieur, 11 000 euros, votre enchère, second rang. Le numéro 582 est présenté par le haras du Mézeray, un poulain bai né en Grande-Bretagne le 1er mars, assimilable au nez élevé en France. Il est par Motivator et Selkis. A noter le 3 ans Autocel qui est gagnant du Grand Prix d'Angers et la 2 ans Heyo, une place supplémentaire. Demi-frère de Autocel ici, demi-frère de Autocel, la famille de Heinrich Wins, et on débute à combien pour la famille de Sados Image, Motivator. Fils de Motivator, bien sûr, le bon Motivator, le père de Trèves. Enchère minimum, allons-y, 1500, 1500, à 1500, 1500 euros l'enchère à 1500, 1500, 1500, 1500 pour le motivateur à 1500, 1500, à 1500, mettez vos enchères à 1500, 1500, 1500, 1500, à 1500 euros l'enchère à 1500, 2000 enchères à 2000, à 2000 euros l'enchère à Guillaume à 2000, à 2000 euros, à 2000 euros l'enchère à 2000, à 2000 euros l'enchère à gauche à 2000, à 2000 euros, à 2000 euros l'enchère à Guillaume à 2000, à 2000 euros l'enchère à 2000, à 2000 euros l'enchère, à 2000 euros Guillaume votre enchère à 2000, à 2000 euros une enchère à 2000, à 3000, à 3000, à 3000 euros maintenant, à 3000 euros votre enchère, à 3000 euros pour l'enchère à 3000, à 3000 euros le frère
de hauteur, c'est le cas à 3000, à 3000 euros. À 3000 euros, c'est encore à 3000. À 3000 euros, l'enchère est là, à gauche, à 3000. À 3000 euros. À 3000 euros, c'est là, l'enchère. À 3000 euros, c'est votre enchère, j'ai l'aura. À 3000, 4000, à 4000, à 4000 euros, Marie. À 4000 euros, Marie, l'enchère. À 4000 euros, c'est Marie, l'enchère. À 4000, à 4000. À 4000 euros, Marie, votre enchère, pas de regret, pas d'erreur, c'est sûr. À 4000 euros, c'est Marie, l'enchère, qui tient l'enchère à 4000. À 4000 euros, fini l'aura. À 4000 euros, va la juger à 4000. À 4000 euros, bien vu, fini. On a juge. 4000, Marie, votre enchère. Le numéro 583 est présenté par le Hara de Grand Camp, une femelle benne et le 7 avril par Campanologist et Sentimental Union. Campanologist, et c'est la mère est gagnante, c'est la famille de Alexine, de Hashmore, de Agent Bleu, Arkang et une souche des Bleus ici. Campanologist, les premiers produits sont fall, le fait de King Mambo, allons-y. 5000, 3000, 3000, 3000, 1500, 1500, 1500, c'est l'enchère minimum, 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 l'enchère minimum, 1500, 1500 euros l'enchère, à 1500, 2000, à 2000 euros maintenant, 2000, à 2000 euros Audrey, à 2000 euros c'est Audrey l'enchère, à 2000 euros l'enchère Audrey, à 2000 euros l'enchère Audrey, à 2000, à 2000 euros l'enchère, à 3000, à 3000 euros l'enchère, à 3000 euros l'enchère, à 3000, à 3000 euros, à 3000 euros Vladimir, à 3000, à 3000 euros Carmel, à 4000 euros pour le 582, à 4000, à 4000 euros l'enchère, avant il y avait sexy, Vladimir, à 5000 euros, à 5000 euros Vladimir l'enchère, à 5000, à 5000 euros l'enchère Vladimir, à 5000, à 5000 euros, à 5000 euros l'enchère à droite à Vladimir. Alors tandis que 5000 euros, encore à 5000, à 5000 euros Vladimir, à 6000. On vient de nous apporter les indispensables répertoires des étalons de pur sang édités par le syndicat des éleveurs. Ils sont sortis hier. 7000 euros maintenant, 7000. Bruno de Vatrigan qui est sorti hier, avant-hier. Ah oui, 1000 euros l'enchère. Voilà, jeudi, ils sont arrivés à Deauville. Merci Bruno. Bruno de Vatrigan, le fidèle du syndicat des éleveurs qui. Bruno, tu fais le syndicat des éleveurs, le bouquin du syndicat des éleveurs depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu fais le répertoire? À 11 000 euros l'enchère Vladimir, à 11 000 euros je vais la juger à 11 000. 37e édition, merci, merci beaucoup. 12 000 euros, merci de votre aide, on va la juger à 12 000 euros, c'est sûr, pas de regret, pas d'erreur, à 12 000, à 12 000 euros, 13 000, 13 000 euros Marie, bienvenue à 13 000 euros l'enchère, à 13 000 euros, mettez vos enchères, mettez 14 000, voulez-vous 14, à 13 000, 14 000, 14 000, à 14 000. À 14 000 euros maintenant, l'enchère est là à gauche, à 14 000. Alors, à 14 000 euros, bien vu, pas de regret, pas d'erreur, à 14 000. À 14 000 euros, c'est là l'enchère. À 14 000 euros, bien vu, on va la juger à 14 000. À 14 000 euros, bien vu, fini cette fois-ci. 15 000 maintenant, Guillaume, à 15 000. À 15 000 euros, l'enchère, Guillaume. À 15 000 euros, votre enchère. À 15 000 euros, c'est Guillaume, l'enchère. À 15 000 euros, bien vu, l'enchère. À 15 000 euros, c'est sûr. À 15 000 euros, enchère par vous, Guillaume. À 15 000 euros, on le juge. 15 000, Guillaume. Le numéro 584 est présenté par le Hara de l'hôtellerie, un poulain alezan et le 30 avril par 60s Icon et September Morning. 60s Icon et 60s Icon, fils de Galileo, père de Charles Icon, premier produit d'une mère gagnante. Voilà, répertoire du syndicat des éleveurs, 38e année. 3000, 1500, l'enchère minimum, minimum, 37e année, pardon. 1500, à 1500, l'enchère minimum à 1500, à 1500, mettez l'enchère à 1500, 1500, à 1500, oui, l'enchère à 1500, 2000, alors 2000. Dépendant papier de Francier, enfin c'est différent, évidemment, il y a d'autres informations, il y a d'autres types de choses. Allez, 15 000 euros pour le 583, la fille de campanologiste, jeune étalon campanologiste, qui nous proposait ses premiers falls d'ailleurs, présentés par Laurent de Grand Camp. À 3000, à 3000 euros, Guillaume Lanchère, à 3000 euros, mettons chez à 3000, 3000, à 3000 euros, 4000. 4000 euros maintenant, Guillaume à 4000, à 4000 euros l'enchère à 4000, 5000, à 5000 euros Guillaume à 5000, à 5000 euros, à 6000 euros maintenant, 6000, à 6000 euros l'enchère à 6000, à 6000 euros, à 6000 euros à gauche l'enchère à 6000, à 6000 euros, à 6000 euros mettez l'enchère à 6000, à 6000 euros, à 6000 euros bien vu l'enchère à 7000, à 7000 euros maintenant, 7000, à 7000 euros, à 7000 euros nous vendons à 7000, à 7000 euros, à 7000 euros, bien vu, fini. 8000. 9 000, 10 000, 10 000 euros maintenant, 10 000 euros Marie, à 10 000 euros Marie l'enchère à 10 000, à 10 000 euros l'enchère Marie à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros mettez 11 000. 11 000 ? 10 000 euros l'enchère est là à gauche à 10 000, Marie l'enchère à 10 000, à 10 000 euros. Alors je vous invite à faire rafraîchir la page, vous appuyez sur la touche F5 parce qu'il y a eu un tout petit blocage. Le numéro 585 est présenté. Donc pour reprendre le fait que les synthés et les inscriptions suivent. Par Okawango et seul à Paris. Elle est pleine de authorized. Ah, ça va marcher tout seul en fait. Le service est le 18 mars. Last service, March the 18th. Elle est pleine donc de authorized. C'est la famille de Matin de Tempête de Okawango. Fille de Okawango, la sœur de Hiroshi Combs. Allons-y. 1500, 1500, 1500, 1500, l'enchère minimum 1500. Oui, Guillaume, l'enchère à 1500. T'es déjà pris l'enchère à 1500. 1500. À 1500. À 1500, mettez l'enchère à Guillaume à 2000. À 2000, l'enchère à 2000 euros. Maintenant, l'enchère à 2000. Alors, le 585, tandis qu'on jette un petit coup d'œil sur Samou, mais on salue Olivier Pellier. Ça va, Olivier?
Ça va la forme, impeccable. À 4000 euros, Guillaume, à 4000, 6000, à 6000, à 6000 euros, Vladimir. À 6000 euros, Vladimir, l'enchère à 6000, à 6000 euros. À 6000 euros, Vladimir, l'enchère à 6000 euros. À 6000 euros, Vladimir, votre enchère à 6000, à 6000 euros, l'enchère. À 6000 euros, à droite, l'enchère à 6000, à 6500. À 6500, Guillaume, à 6500. À 6500, l'enchère à Guillaume, à 6000. Voilà, le 585. On a vendu à 10000 euros le fils de Six Pizza Icon. Le rythme est plus élevé qu'hier, hein. On est parti là. On a fait 30 numéros pile en une heure. On a commencé tout juste il y a une heure, on a fait 30 numéros. Donc on est sur un rythme assez élevé. D'ordinaire, c'est plutôt dans les 25 numéros à l'heure. Là, on est à 30 numéros à l'heure. On va essayer de ne pas finir à 11h aujourd'hui. 9000 euros maintenant à droite. Pour vous donner une estimation. 9000 euros l'enchaîne à droite à 9000. À 9000 euros l'enchaîne à droite à 9000 euros, bien vu. À 9000 euros, pas de regret. À 9000 euros, pas de regret. À 9000 à droite l'enchaîne à 9000, bien vu l'enchaîne. Et là, le dernier lot de la journée, c'est le 8. On a Jules. Le 840. Le numéro 586 est absent. Donc il en reste 265. Oui, ça fait quand même. Présenté par le Hara de Molpère, oui. Chéracat, Jumambé par Inchinor et Chéragia, pleine de Zambézi Sun. Hein? Elle est déjà mère de deux vainqueurs, cette fille d'Inchinor, petite fille de Doyoun. Elle-même placée à 9 reprises. Bonsu Chichi, ou ici, pardon, la mère et l'émission de Chamaran, Chéraka, la soude de Chamaran. Oui, c'est ça, 260 lots. Ah ouais, il est encore pour 10 heures. 9 heures. Elle est pleine de Zambézi Sun, 10 000, 5 000 euros, qui m'appelle à 5 000, mettez en chère à 5 000. Déjà mère de deux vainqueurs à 5 000 euros, mettez en chère 5 000, 3 000 pour début débat, 3 000, qui m'appelle à 3 000. Tiens, Dreamwell, on n'en avait pas parlé encore, Dreamwell, une valeur sur un obstacle, hein, le père d'Hippomène quand même. Et champ de bataille en 2014. Deux chevaux qui sont illustrés au plus haut niveau à Auteuil et à Enghien. À 1500 sur 1500, en face à 1500, qui m'appelle. Et là, on retrouve, en l'absence du 586, le 585 était vendu 9 000 euros. On retrouve le 587 Chéracat, une origine à Gacan. La mère est une propre sœur de Chéraka. Et la jument est pleine de Zambézi Sun. 2005, qui donne 3000 euros. À 2500. À 2500 euros, c'est mieux que ça. À 2500 euros, Inchinor, pleine de Zambézi Sun. Elle a déjà donné naissance à deux vainqueurs. Une femelle de Desert Style et un mâle de Martaline. Et là, elle est pleine donc de Zambézi Sun. On est d'accord à 3000. 3000 euros, c'est Camille. À 3000 euros. À 3000 euros, on est d'accord, votre enchère. À 3000 euros, et pas Vladimir en face. À 3000 euros, c'est là. À 3000 euros, c'est bien vu. À 3000 euros, rien à gauche. À 3000 euros, c'est fini. À 3000, Vladimir. À 3000 euros, pas d'erreur. À 3000 euros, Camille, l'enchère à droite. À 3000 euros, le marteau se lève. À 3000 euros. Oh là, juge. Camille, 3000 euros à droite, merci. Le numéro 588 est présenté par l'élevage de la Gagnerie. Ah, j'essayais voir si ça marchait encore le clavier magique. C'est tellement rigolo ce truc. TVA à hauteur de 50%. 50% of this horse is sold without VAT. Un fils de motivateur, la mère d'émission de deux vainqueurs, la grand-mère gagnante de groupe. Nombreux gagnants en plein neuf. Allez, c'est Jérôme Charpentier qui vient reprendre, qui vient de reprendre le micro de l'auctionneur. C'est lui qui sera avec vous à ce micro du commentateur demain. Tandis que c'est Paul Nataf qui s'est fait adjuger le lot précédent à 3000 euros. 10 000 motivateurs, 10 000 euros, on y reviendra, 10 000 mètres. Un petit peu frisqué, hein, à l'intérieur, du ring. Ah, c'est l'hiver, hein. Bientôt le ski. 3 000 euros, motivateur, 3 000 euros, la grande. Un fils de motivateur ici. Guillaume, à 3 000 euros, Guillaume, l'enchère à 3 000, c'est là, 3 000, motivateur, à 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, la grand-mère gagnante de groupe à 3 000, à 3 000 euros, 4, 5, Guillaume, à 5 000, Guillaume, toujours à 5 000, 6 000, à 6 000, Guillaume, l'enchère à 6 000, 6 000 par mauvais contre vous, le fils de motivateur à 6 000 euros, à 6 000 euros, nous sommes tous passés à gauche à 6 000, à 6 000 euros, c'est mieux que ça, à 7 000, à 7 000, faut aller plus vite, motivateur, à 7 000. Alors un fils de motivateur, là, ça mérite vraiment. 8 000 euros, ça vaut mieux que ça. Ah, et le père de Trèves. Et pas que Trèves, hein. Ridacina, Cocktail Queen, qui s'est illustré au plus haut niveau cet été à Deauville, gagnant du Grand Prix. Souche Boucheron, puisque la grand-mère c'est Cadenceville, gagnante du prix André Babouin. 11 000, si vous voulez, sous la casaque de Serge Boucheron. C'est l'élevage de la Gagnerie, que je ne connais pas personnellement, qui nous propose ce fils de motivateur, né le 21 avril, avec une mère par Annaba. À gauche ici, 11 000 euros. À 11 000 euros, 12 000 euros par vous et contre vous, Guillaume, à 12 000, à 12 000 euros à gauche, à 12 000 euros, fini Marie, une seule enchère à 12 000, à 12 000 euros, c'est d'accord, à 12 000, à 12 000 euros, oui ou non, à 12 000 euros, 13 000, 13 000 en face, 14, 14 à gauche toujours, Vladimir, ça veut mieux que ça, 14 000 à gauche, à 14 000 euros par vous, 15 000, 15 000, Vladimir en face, 16 000, voulez-vous dire. Il vend bien ce foal, hein. Troisième produit d'une mère qui n'a pas couru par un abat. C'est Guillaume toujours. Il est joli, il a une bonne tête. Le motivateur, la mère gagnante de groupe, la grand-mère gagnante de groupe, pardon, à 16 000 euros,
toujours à gauche, à 16 000 euros, pas d'erreur, Guillaume Lanchère, à 16 000 euros, pas de regret, pas de nouvelle vocation, 16 000 euros, le marteau se lève, à 16 000 euros, voilà le juge, Guillaume, 16 000 euros à gauche, merci. Le numéro 589 est présenté par le Haras. Alors, le 589 est une poulinière par Numerus Silver Queen, Numerus qui file la monte au Haras du Canet. C'est une souche d'ailleurs de la famille Ed, au Haras du Canet, qui nous propose cette Silver. Une belle jument ici, la fille de Numerus, elle est gagnante. Elle est déjà mère d'un gagnant. C'est l'admission de deux vainqueurs, grande famille ici, Silver Pound, Silver Point, Savoie, elle est pleine de fusées, dont les premiers. Deux ans s'illustrent déjà. Je vais vous débiter à 10 000 euros, 10 000, 5 000 euros, les basses, 5, 5, 5 000 euros, 5 000 euros. Déjà, merde à gagner en pleine de fruissés, 5 000 euros. 5 000 euros. 5 000, mes deux enchères, 5 000 euros, 3, 3, 3, 3 qui débute à 3 000. Never on Sunday est un bel étalon. Oui, 3000 en face, Marie Simon 3000. Et Silverina, ma femme dit qu'elle est belle. Alors peut-être qu'elle veut l'acheter. C'est gagnante. Ah, 3000 euros, 3000 euros, qui vendait 3000, 4, 4000 à droite. Elle est pleine de fuissés. Jeune étalon du Haras du Canet également. Pardon, 5000. On est resté à la maison avec Silverina qui a été saillie tout d'abord par Goldaway qui faisait la monte au Haras du Canet. Ça a donné Sirius, le 3 ans, qui a gagné. Et puis après, il y a un 2 ans d'entraînement de fuissé, un yearling de Full of Gold. Le frère de Fuissé. Malheureusement, cette année, le foal de Yumzen est mort à la naissance. Mais ça n'a pas empêché Silverina d'être saillie et remplie par Fuissé. Elle est pleine du dernier service le 8 mai. On y revient à 8000. À 8000 euros, pas vous, Marie. À 8000 euros, l'enchère est plus à droite à 8000. À 8000 euros, c'est Vladimir. 8000, 10000, 10000 euros, 10000 euros, 10000 euros, Vladimir à 10000. Nous sommes maintenant à 10000. À 10000 euros par vous et contre vous, Vladimir à 10000. 10000, 10000, 10000. Tout se passe à droite à 10000. À 10000 euros, on est d'accord à 10000 euros. 12 000, 12 000 euros maintenant à 12 000. 12 000 euros, c'est Marie. 12 000. C'est vous, Marie, c'est celle-là. On est d'accord. Marie, c'est au téléphone, au fond, on est d'accord. Your bid, sir. 12 000. À 12 000, et pas vous, Vladimir. Ah, ça y est, la salle se remplit. C'était un peu calme ce matin à 11 h. 12 000 euros, c'est bien vu. C'est-à-dire que les ventes se sont terminées très tard, comme vous le savez, hier soir, 22h55. Il y avait le gala du syndicat des éleveurs, et puis bah, tout le monde s'est retrouvé dans les restaurants. Chez Hervé, c'était la brinque, c'était de la folie. 14 000 euros, c'est pas vous. Donc là, ce matin, il y a eu quelques petites gueules de bois. À 14 000 euros, on est d'accord, c'est toujours Vladimir, à 14 000 euros. Mais en prenant une bonne saucée sur la tête, ça réveille, ça rafraîchit les esprits. À 14 000 euros, pleine de fuites. Cela, il pleut assez violemment aujourd'hui à Deauville. C'est Vladimir, à 14 000 euros, le marteau se lève, à 14 000 euros. Oh, adieu. Vladimir, 14 000, merci. Le numéro 590 est présenté par le Haras de Grand Camp, un poulain alezan né le 20 mars. 14 000 euros. Alors, on va passer à un fold évasif qui fait la monte au Haras de Grand Camp. Évasif qui a réussi une excellente première génération de 2 ans cette année. Évasif First, entre autres. Gagnant de groupe. La mère Sina est gagnante de, est placée de Listed en Allemagne, à Cologne. Qui vient donc de gagner. C'est une jeune poulinière puisqu'elle est fidèle. Elle a eu pour l'instant, c'est le troisième produit qu'elle nous propose ici, un évasif, sachant qu'il y a une deux ans par évasif qui a été placé à 6 reprises cette année, un yearling par évasif également, et voici encore le foal par évasif qui ressemble beaucoup à son père d'ailleurs. C'est le portrait craché de son père, assez imposant, alezan, alezan plutôt brûlé. C'est la famille de Silas Marner qui est un excellent mailer, vainqueur cette année du prix Edmond Blanc. À 3000 euros. Groupe 3 à 5 clous sur 1600 mètres. 4000. À 4000 euros, nous sommes 4000. À 4000 euros, et plus vous l'aurez. À 4000 euros, 4000 euros, 4500. 4500 qui grand-chère de 4500. Pas vous, Marie. À 4500, 5000. 5000 euros, nous sommes maintenant à 5000. À 5000 euros, 5000 euros, 6000 l'aura. À 6000 euros, l'aura. 7000, c'est Vladimir. 7000, c'est Vladimir. Vladimir en face à 7000. Tout est à refaire à 7000. 7000 euros, 7000 euros, 8000. Par vous et contre vous, Vladimir à 8000. 10000 à gauche, à 10000, à 10000, à 10000. À 10000, nous sommes maintenant 12. 12, Marie, nous sommes plusieurs. À 12000 euros, Marie. Pas vous, l'aura. 14, 13 000 si vous voulez, Vladimir, à 13 000, 14, nous y sommes, Laura, à 14 000 euros à gauche, enchère à 14 000, 14 000, et pas vous, Vladimir, à 14 000 euros, l'enchère à gauche, à 14, 15, 15 000, 15 000, nous sommes maintenant à 15 000 euros, pas vous, Laura, à 15 000, c'est là, à 15 000 euros qui vous l'enchère, 16, 16 000 à gauche, à 16 000 euros, Laura, l'enchère à 16 000, à 16 000 euros, Laura, à 16 000 euros, Laura, l'enchère à 16 000, pas d'erreur, 17, 17, 17, 17, 17, 18, à 17 000, c'est là, à 17 000 euros, pas vous, Laura, à 17 000 euros, à 17 000 euros, l'enchère en face, évasive, la 2 ans vient de gagner, à 17 000 euros, l'enchère en face, 18, nouvel enchérisseur, c'est ça. Il a 2 ans. À 18 000, ça la 2 ans vient de gagner, nous précise depuis l'apparition du catalogue. Elle vient de gagner la 2 ans. 19, 19, 19, 19, donnez-moi 20, Sarah. 19 000, c'est là. 19 000, 20 000, Sarah. J'ai à 20 000 euros, Sarah, l'enchère tout à droite ici à 20 000. Pas vous en face de la limite et plus rien à gauche. À 20 000 euros, le fil évasif à 20 000, on est d'accord à 20 000 euros. À 20 000 euros, on renonce. À 20 000 euros, c'est bien vu, dernière fois, dernière chance. 1, 21, en face, Marie, à 21 000, 21 000, voulez-vous 2, 2. J'ai 22 à droite, Sarah. À 22 000, à 22 000, à 22 000 à droite, l'enchère à 22 000, et pas vous en face à 22 000, à 22 000, évasive, à 22 000. À 22 000, on est d'accord, la 2 ans vient de gagner. À 22 000, 23 si vous voulez, j'ai 22, 23 en face.
À 23, Vladimir en face à 23 000. 24, j'ai 24, Sarah à droite. À 24 000 euros, vas-y, il faut aller plus vite. À 24 000, 24 000 à droite, l'enchère à 24 000 euros. Plus rien en face, Vladimir, rien en face. Marie à 24 000. À 24 000, on est d'accord, l'enchère à droite. 25, 25, 25, 25, 6, j'ai 26. À 26 000, à 26 000, Vladimir, il faut aller plus vite. À 26 000, c'est là. À 26 000 euros, Vladimir, oui, non, à 26 000, l'enchère est à droite, toujours à 26 000. 26, 26, 26, qu'est-ce qu'on fait à 26 000? Merci pour votre aide, c'est bien vu, c'est fini. À 26 000 euros, Marie, pas de regret. À 26 000 euros, c'est à droite. À 26 000 euros, le marteau se lève. À 26 000 euros, fini, Vladimir, on essaye encore. Vladimir, oui ou non? À 26 000, l'enchère à droite. À 26 000 euros, on a le jeu. 26 000 euros, l'enchère à droite, Sarah, merci. Le numéro 591 est présenté par l'entraînement Eon O'Neill, Sirenka, une femelle alzane par Sir Percy et Sirena, vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Fille de Sir Percy, ici elle est gagnante, c'est l'admission de deux vainqueurs, dont d'une passée de course principale, la mère est gagnante. Et la mère est demi-sœur de Silvano, Sabiango, tous deux gagnants de groupe 1. Combien offre-t-on bonne souche ici pour cette gagnante? 5 000 euros, on y enverra 5 000 euros, la mère de sœur de Silvano, 5 000. 3 000 euros pour débuter, 3 000, 5 000, qui m'appelle à 1 500 euros, il faut débuter. 1 500 qui m'appelle, 1 500 euros, une gagnante tout de même. 1 500 euros, bien sûr, à 1 500, Vladimir, 1 500, c'est là, 1 500, et nous venons pas d'erreur, à 1 500 seulement. À 1 500, qui coûte en cher de 1 500, la mère, sœur de Silvano, Sabiango, 2 000 euros, Vladimir, 2 000, à 2 000 euros, l'enchère à gauche. À 2 000 euros, qui m'appelle, qui coûte en cher de 2 000 euros, à 2 000 euros, à 2 000 euros, c'est Laura, 2 000. À 2 000 euros, l'enchère à gauche, à 2 000, à 2 000 euros, qui coûte en cher de 2 000 euros, à 2 000 euros, Vladimir, une seule enchère à 2 000 euros, et c'est fini. À 2 000 euros, 3 000, 3 000 euros, 3 000 euros en face, l'enchère à 3 000, 3 000 euros, 3 000 euros là-bas, à 3 000, à 3 000 euros, 3 000. 4 000, j'ai 4 000 à gauche. 5 000, voulez-vous? 4 000 à gauche, Laura. À 4 000 euros, c'est Laura. À 4 000 euros, à 4 000 euros, et pas vous en face, à 4 000. À 4 000 euros, pas vous, Vladimir, et pas vous, Sarah, à droite, on est d'accord. À 4 000 euros, 5 000, en face. À 5 000 euros, à 5 000 euros, en face, Vladimir. À 5 000 euros, qui coûte l'enchère de 5 000 maintenant? À 5 000 euros, et pas vous, Sarah. À 5 000 euros, c'est là-bas. À 5 000 euros, Laura, qu'est-ce qu'on fait à 5 000? À 5 000 euros, on est d'accord. À 5 000 euros, c'est une gagnante. À 5 000 euros, c'est bien vu à 5 000. À 5 000 euros, Laura, fini. Sarah, je ne vous entends plus. À 5 000 euros, Vladimir, en face, le marteau se lève. À 5 000 euros, c'est fini. Pas de nouvelle vocation. À 5 000 euros. On a dû. Vladimir, 5 000 euros, votre enchère en face, merci. Le numéro 592 est absent. Nous passons au numéro 593, présenté par le haras de la Rebossière et de Montaigu. Un poulain Ben est le 9 mai par Soldier of Fortune et Sky High Flyer. Un chic poulain ici, Sophie de Soldier of Fortune, le frère d'un gagnant, la mère gagnante, placée de groupe par ailleurs. Demi-sœur de 8 vainqueurs. Chic famille ici. Hometown, Ilandra, Jukebox Jury, Soleil Noir, 10 000 pour débuter, on y aura 10 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000, 3 000 euros pour débuter, bah, 3 000, 3 000, qui m'appelle, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 1 500, celui à fortune, 1 500, celui qu'on a gagné, oui, suivant, 1 500, Marion en face à 1 500, à 1 500 euros, qui vont chercher 1 500 euros maintenant, à 1 500, et nous n'avons pas d'erreur, à 1 500 euros, 1 500, 2 000, 2 000 à gauche, l'enchère à 2 000, pas vous, Marion en face à 2 000 euros, à 2 000 euros, 2 000 euros, 2 000 euros, celui à fortune, ça va mieux que ça, 2 000 euros, à 2 000 euros, 3 000, 2 500, si vous voulez, 3 000 à gauche, Guillaume, à 3 000, c'est Guillaume à gauche, à 3 000, à 3 000 euros, nous sommes à 3 000, 4 000 euros, à 4 000 euros, Vladimir. À 4 000 euros, plus rien à gauche, à 4 000. 4 000 euros, Vladimir, en face à 4 000. 4 000. 5 000. J'ai 5 000, Guillaume. Faut aller plus vite. À 5 000 euros, 5 000 euros à gauche, Guillaume, l'enchère à 5 000 euros, Soldier of Fortune à 5 000 euros, ce frère d'un gagnant ici à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000 euros, Vladimir, qu'est-ce qu'on fait? À 5 000? À 5 000 euros, 6 000. 6 000, Camille, nouvelle enchérisseur à 6 000. À 6 000 euros, plus vous, Guillaume, à 6 000. À 6 000, 7 000 à gauche, l'enchère à 7 000. À 7 000 euros, 7 000 euros, plus vous, Camille. À 7 000 euros, c'est Guillaume à gauche à 7 000. À 7 000, c'est là à 7 000. À 7 000 euros, qui enchère de 7 000 euros maintenant à 7 000 euros. À 7 000 euros, 8 000, plus vous, Guillaume à 8 000 euros, l'enchère à droite. À 8 000 euros, qui enchère de 8 000. À 8 000 euros, qu'est-ce qu'on fait, Guillaume? À 8 000 euros, on est d'accord à 8 000. À 8 000 euros, Soldier of Fortune, à 8 000 euros, ça va gagner à 8 000. À 8 000 euros, on est d'accord à 8 000. À 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros, nous venons pas d'erreur. À 8 000 euros, Camille à droite, l'enchère à 8 000. 500, donnez-moi 9. 8 500, donnez-moi 9 000. À 8 500, donnez-moi 9 000. À 8 500, Camille, essayez encore. Celui-là, en fortune, à 8 500, l'enchère à gauche. Pas d'erreur, pas vous, Camille. À 8 500, merci pour votre aide. À 8 500, on est d'accord, à 8 500. 8 500, à 8 500, l'enchère est à gauche par Guillaume, à 8 500. À 8 500, pas de regret, pas de nouvelle vocation. 9 000, on y revient. À 9 000. À 9 000, et nous ne demandons pas d'erreur à 9 000 euros. À 9 000 euros, c'est mieux que 9 000. À 9 000 euros, Guillaume, c'est fini. À 9 000 euros, oui ou non? À 9 000 euros, nous venons à droite à 9 500. À 9 500, 9 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, voulez-vous 10 000? À 9 000, j'ai 10 000, pardon, à 10 000.
000, Guillaume. À 10 000, donnez-moi 11. À 10 000, donnez-moi 11 000. À 10 000, donnez-moi 11 000, Camille. À 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, essayez 11 000, Camille. À 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, nous vous envoie à gauche, pas d'erreur, à 10 000. À 10 000 euros, l'enchaîne est à gauche par Guillaume et 10 000. À 10 000 euros, qu'est-ce qu'on fait, Camille? Oui ou non, à 10 000 euros, il faut en finir à 10 000 euros? Non! À 10 000 euros, plus de cartouches. À 10 000 euros, Guillaume à gauche, enchaîne. On n'oublie personne. À 10 000 euros, le fils de soldeur fortune, frère d'un gagnant. À 10 000 euros. Voilà, j'ai Guillaume, 10 000 euros à gauche, merci. Le numéro 594 est présenté par Coulon's Consignment, Sainte-Suzanne, jument bay par Spadestown et Sky High Flyer, pleine de Raj Saman. Elle va venir, la fille de Spadestown, petite fille de Gone West. Donc cette pouliche de 4 ans ici, bonne souche. Comme précédemment, la souche d'Ilandra, Soleil Noir, Jukebox Jury. Elle est pleine, cette gagnante de Raj Saman. Jeune étalon, prometteur, excellent mileur. On va débuter à 10 000, voulez-vous 5 000, 5 000, pleine de Raj Saman, 5 000 euros, cette gagnante, 5 000. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. À 5 000 euros qui débute à 5 000, 3 000, 3, 3, 3, 3, 3 000, qui m'appelle à 3 000. 3 000 euros, 3 000 euros pour débuter, 3 000, 3 000, qui m'appelle à 3 000. 3 000 euros, oui, 3 000 euros en face, 4 000 à droite, Vladimir. À 4 000, Vladimir, l'enchère à 4 000. Pas vous, Marie, à 4 000 euros nous sommes. 4 000, Vladimir à 4 000. À 4 000, plus à droite, l'enchère à 4 000 euros et pas vous, Marie, 500. 4500 là-haut à 4500, 4500, 5000 par vous et contre vous Vladimir, à 5000 euros, 5000 euros, 5000 euros Vladimir, à 5000 euros par vous et contre vous Vladimir, à 5000 euros, 5000 euros et plus vous mariez à 5000 euros, à 5000 euros, à 5000 euros cette gagnante, à 5000 euros 6000, 6000 tout là-haut à droite à 6000 Camille, 7000 Vladimir, à 7000 euros c'est Vladimir à 7000, à 7000 euros, 7000 euros, 7000 euros Vladimir et plus vous Camille, à 7000 euros, 7000 euros on est d'accord en face Vladimir à 7000 euros, 7000 euros, 7000 euros, petite fille de Gone West pleine de rage, Samad gagnante, 8000 à gauche Laura. 8 000, c'est Laura. 10 000, c'est Vladimir. À 10 000, Vladimir, l'enchère à 10 000. 10 000, 10 000, 10 000, Vladimir. Plus vous, Laura. À 10 000 euros et plus vous, Camille, à 10 000 euros. À 10 000 euros, on est d'accord. À 10 000, 10 000, 10 000, qui clenchère de 10 000 euros. À 10 000 euros, on est d'accord. À 10 000 euros, à 10 000 euros. À 10 000 euros, qui clenchère de 10 000. À 10 000 euros, 12 000, qui m'appelle. 14 000, c'est Laura. À 14 000 euros, c'est Laura maintenant. À 14 000, 14 000 euros, Laura. À 14 000 euros, à 14 000 euros, qui clenchère de 14 000 euros. À gauche, pas d'erreur. À 14 000 euros, c'est là. À 14 000 euros, plus rien en face, plus rien à droite. À 14 000 euros, c'est bien vu. Petite fille de Gone West, gagnante. 16 000, pardon. À 16 000 euros, 16 000 euros. Laura, je vous attends à 16 000, voulez-vous 18 16 000, voulez-vous 18 À 16 000 euros. À 16 000 euros, on est d'accord. Chic Polish ici, pleine de rage, ça mal à 16 000. À 16 000, on est d'accord. À 16 000 euros, Laura, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, dites-moi non, vous la regrettez déjà à 16 000. À 16 000 euros, on est d'accord à 16 000. À 16 000 euros, l'enchère est en face par Vladimir, on est d'accord. À 16 000 euros, c'est là. Fini Camille, fini Laura. À 16 000 euros, l'enchère en face. À 16 000 euros, c'est bien vu. Le marteau se lève. On est d'accord, Laura. À 16 000 euros, Vladimir. À 16 000 euros. On a le jeu. Vladimir, 16 000, merci. Le numéro 595 est présenté par le haras du Petit Tellier, une femelle baie née en Irlande le 14 mars, assimilable au nez élevé en France. 16 000 euros donc pour le 594, tandis que... Chic Polish ici. On parle là de Storm... Cat Junior, pardon. Elle pourra avoir droit aux primes, donc. C'est l'admission de deux vainqueurs, dont un placé de la poule d'essai Venomous. Sainte-Suzanne. Des références en plein en obstacle dans ce pédigré ici. Combien de fois de temps pour débuter? La fille de Sagebourg, voulez-vous 5 000, 5 000, 5 000, on y en a 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 3, 3, 3, 3, 3, 3, oui. Sainte-Suzanne, Spadestown, américain Spadestown, une vendue 16 000 euros, pleine de Raj Saman. Et maintenant, c'est une foal de Sagebourg qui s'appelle pas encore parce qu'elle n'est pas nommée. La mère Snake Dancer, elle est par Golden Snake, une rareté parce que Golden Snake a été un étalon quasiment stérile, c'est pour ça qu'il a été reparti en course, il avait gagné l'Isparan. Après être reparti en course, il avait fait une saison de monte à Warra National anglais, mais ça avait raté puisqu'il était quasiment stérile. Mais il a quand même fait 2-3 produits, dont Snake Dancer, la mère de ce produit de Sagebourg. Snake Dancer, elle a bien produit pour l'instant parce qu'elle a donné un cheval classique, même on dirait dans le registre du trou, Venomous. 5500, si vous voulez. 5500. Troisième de la poule d'essai des poulains, groupe 1. À 6 000 euros. Sous la casaque Augustin Normand, si ma mémoire est bonne. Un fils de Red Ransom. C'est encore, Marie. À 6 000 euros, ça vaut ça. 6 500, 6 500, 6 500. Une famille qui s'est illustrée également en obstacle à travers son cousin Black Star Mountain, gagnant de groupe 1 et pas n'importe lequel des groupes 1. Et il a gagné le Nakayama Grand Jeu. Et oui, effectivement, la première. Ah, 6500 victoire étrangère dans la Nakayama Grand Jeu, c'est la fameuse grande course du Japon.
Bientôt se lève. Ah, c'est une... Course totalement inaccessible jusqu'à temps que Super Willy, Willy Mullins, décide d'y participer avec Black Star Mountain. Bon, un drôle de bourrico, hein. Il avait gagné aussi le Racing Post Novice Chess Group 1, le Champion Novice Hurdle Group 1, Game Group 1, Steve Game Group 1. En vrai, il est parti au Japon et il a fait Konnichiwa! Et il les a tordus, il a gagné. Extraordinaire. Montez Ruby Walsh. Bref. Tout ça pour 6 500 €. September Morning, c'est le lot 596. 5 Black Tide, un gagnant de steak, bonne souche allemande ici. On débute à 10 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. Vous débutez 5, 5, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. Plein de houtons de bassettes, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. Qui m'appelle à 5 000, 3, 3, 3 000. 3 000 euros, on va y revenir. 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros. Qui m'appelle à 1 500, 1 500, 1 500, 1 500. Qui m'appelle à 1 500, 1 500. Il faut débuter à 1 500. 1 500 euros, la fille de Lando ici, oui, bien sûr. 1 500, Vladimir à 1 500. À 1 500, l'enchère en face à 1 500. À 1 500 euros, 1 500 euros. Qui m'appelle, qui conchère de 1 500 maintenant à 1 500. À 1 500, à 1 500, c'est bien vu la fille de Lando. À 1 500, plein de Wooten Bassett, 2 000. 2 000 euros, 2 000 euros. Qui m'appelle à 2 000. Le rat de l'hôtellerie avec September Morning. Une fille de Lando, pleine de Wooten Bassett. Jeune étalon Wooten Bassett. Tout à l'heure, le son faux l'est passé, le 584. Et il a fait le 584. 4, il a fait quoi? Il suffit de regarder sur les résultats de Francir. Non, c'est une enchère, non. 3 500 par vous, Sarah. À 3 500 €. À 3 500 €, on est d'accord. À 3 500 €, Sarah, l'enchère. Plus vous, Vladimir, à 3 500. 3 500, 3 500, qui vous enchère de 3 500. Plus vous, Vladimir. 3 500, c'est Sarah à droite. À 3 500. 3 500 €, qu'est-ce qu'on fait à 3 500? À 3 500 €, l'enchère ici à droite à 3 500. 3 500, on est d'accord. À 3 500 €, fini. Dernière fois, dernière chance. La fille de Lando, pleine de boutons de bassette. 3 500 € à droite, ici, par Sarah, pas vous, Vladimir, en face. À 3 500 €, on est d'accord. À 3 500 €, on a juste. Sarah, 3 500, merci. Le numéro 580. J'ai pas encore le résultat, mais. Présenté par le hara du Tenet, une femelle baie née en Irlande le 25 mars, assimilable au élevé en France. Elle est par Elusive City et Spira. Une fille de Elusive City. Elle pourra avoir droit au prime, c'est l'admission d'un gagnant à Chantilly, la mère d'admission de 7 vainqueurs, donc Dr. Fong. Gagnant du St. James, 10 000, 5 000 pour débuter, 5, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 qui débute à 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, la fille d'Elusive City, 5 000, petite fille de Saddle. Alors le 597 est une fille d'Elusive City, Espira par Saddle Swells. La mère est une sœur de Dr. Fong, l'excellent étalon Dr. Fong, ainsi que Lucky Story qui s'est tué trop tôt malheureusement en tant qu'étalon. Dr. Fong qu'on connaît par cœur, un étalon qui a fait la monte en France quelques années au ras du Tenet avant de repartir à l'étranger. 2 000 euros, qui enchère de 2 000. À 2 000 euros, on est d'accord, nous ne vendons pas d'erreur. À 2 000 euros, Camille enchère 2 000. À 2 000 euros, c'est Mélu, la fille des Elusive City, à 2 000. À 2 000 euros, à 2 000 euros, c'est fini à 2 000. À 2 000 euros, la mère de mystère de Dr. Fong. À 2 000 euros, on est d'accord, 3 000, Sarah. À 3 000 euros, Sarah l'enchère à 3 000. 3 000 euros, 3 000 euros, tout en droite, l'enchère à 3 000. À 3 000 euros, on est d'accord, à 3 000 euros, c'est Sarah à 3 000. À 3 000 euros, qui m'appelle, qui enchère de 3 000 euros maintenant à 3 000. À 3 000 euros, on est d'accord. À 3 000 euros, pas de regret, pas de nouvelle vocation dans la salle. 4 000, 3 500, 4 000, nous sommes à 4 000, Marie à 4 000. À 4 000, c'est là. À 4 000 euros, Elusive City, à 4 000 euros, la mère, sœur de Dr. Fong. 4 000 euros, c'est Marie, on est d'accord. Pas vous, Camille. Pas vous, à droite, Sarah. 4 000 euros, c'est là. 5 000. 5 000 euros à droite, l'enchère à 5 000. À 5 000 euros, c'est Sarah. À 5 000. À 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros. Ça vaut mieux que ça. À 5 000 euros, tout de même. À 5 000 euros. Ça, c'est pas mal à 5 000 euros, je vous dis, moi. Femelle de Elusive City. La mère est sorte de Dr. Fong. Alors, pourquoi ça vaut pas plus cher? La mère, elle a fait 4 produits. Un Mister Grillet qui a gagné cette année à Chantilly. À droite. À 7 000 euros. 3 en âge de courir, un seul vainqueur. Il y a une hors peine de 2 ans qui a l'entraînement en Allemagne. 7 500 si vous voulez, j'ai 7 500. J'ai 7 500 là. Présenté par le rat du Tenet. Le rat du Tenet qui nous propose comme étalon cette année un nouveau reproducteur qui s'appelle Waldmark. Donc là on est dans le Tenet. Hein. La mère, sœur de Dr. Fong qui faisait la monte au Tenet. Et un nouvel étalon allemand gagnant du derby allemand, donc issu de Dubaoui. C'est Waldmark qui est d'ailleurs présent. Chez Philippe Van, dans les écuries de Van Poel pendant les ventes de Deauville pour de façon à ce qu'il soit plus facilement accessible au public qui va le découvrir parce qu'on le connaît pas encore en France, Waldpark. 9 000 euros, terminé à 9 000, à 9 000 euros l'enchère à droite, c'est Sarah, pas d'erreur, à 9 000 euros c'est là, à 9 000 euros le marteau se lève, à 9 000 euros, on a le jeu, à droite Sarah, l'enchère 9 000, merci. Le numéro 5. Alors je vous conseille de regarder, c'est pas pour se moquer, mais regardez le nom de l'acheteur du 580. Vous allez dans les résultats là, et vous regardez le nom de l'acheteur du 580. Hurricane Run. Le nom de l'acheteur, il s'appelle, le gars il s'appelle Mowgli Poulain. Namrouda, une 2 ans par 6 stars. Voilà, Mowgli Poulain. À Kempton, en une seule sortie. Ajoutons que cette jument tique à l'ours, This Mare is a Weaver. Ilrous, présenté par Ted Vaught Agent. Ilrous est une souche du Mézeray, une souche de Moussac. Qui est Black Type, elle a été deuxième de Listed en Italie. Pour l'instant, elle a produit, elle est pleine de Rick and Run, dis donc.
Hurricane Run, il n'a pas beaucoup des juments pleines de Hurricane Run et rarement disponibles sur le marché. Hurricane Run, c'est le cheval, le père de Hecto, le cheval qui est retourné en Allemagne au printemps 2014 après qu'il eut... Après qu'il eut... 3000, 4, 4000, Laura à 4000, à 4000 euros nous sommes, à 4000 euros, 4000 euros, 5000, en face de la lumière à 5000, à 5000 euros, 5000 euros, 5000 euros, French... Parfait, une déprime en fait en Irlande, perdant sa, le goût de vivre, perdant le goût de reproduire aussi, ce qui est embêtant pour un étalon. Il est reparti en Allemagne et ça va mieux là. Il a retourné chez son éleveur, à la maison. Et il a assailli un certain nombre de juments cette année. Il les a remplis, dont celle-ci, Irus. Qui a pour l'instant a produit Marc Aurel, un Trampolino qui a gagné trois courses. Puis après, pas grand-chose. Maintenant, 8 000 euros par vous et contre vous, la numéro en face à 8 000 euros, 8 000 euros, 10 000. 10 000 euros nous sommes. À 10 000, 10 000 qui couvrent l'enchère de 10 000, maintenant 10 000. À 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, c'est mes 10 000. À 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 12 000. Nous nouvel enchérisseur Sarah ici à 12 000. À 12 000 euros à droite. Pas vous en face, à 12 000 euros, 12 000 euros Vladimir, qu'est-ce qu'on fait à 12 000, à 12 000 euros elle est placée de course principale, à 12 000 euros, plein de Weekend Run, à 12 000 euros on est d'accord Vladimir, à 12 000 euros c'est bien vu, à 12 000 euros ici à droite Sarah, 14 000, à 14 000 euros nouvelle enchérisseur Camille ici à 14 000, 14 000 euros, 13 000, 15 000 pardon, 15 000, 15 000, 15 000 c'est là, 16, 16 000, j'ai 16, oui. 16 000 euros, à 16 000 euros, Camille Lanchet à 16 000, 16 000, 16 000, pas vous Sarah, à 16 000 euros, à 16 000 euros, 16 000 euros, c'est Camille à 16 000, à 16 000 euros, et plus rien, les numéros en face à 16 000, à 16 000 euros, Sarah, oui ou non, à 16 000 euros, c'est fini, à 16 000 euros, c'est là, et c'est par Camille, à 16 000 euros, pas d'erreur, pas de regret, à 16 000 euros, bien vu, fini, dernière fois, dernière chance, Camille Lanchet à 16 000 euros, 17, 7, 7, 7, 7, donnez-moi 18, 17 000, je ne vous vois plus, 17 000 euros, à 17 000 euros, c'est bébé, 17 000, 17 000, Camille, c'est fini, 17 000 euros, c'est Sarah, c'est à 17 000, à 17 000 euros, on est d'accord, à 17 000, à 17 000 euros, bien vu, à 17 000 euros, fini, Sarah ici, à 17 000 euros, dernière fois, 18, on y revient. Mon enchère à 18 000, pas vous Sarah, à 18 000 par mois, à 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, non, merci pour votre aide, à 18 000, c'est fini, à 18 000 euros, on est d'accord, à 18 000 euros, pas d'erreur, pardon, Camille, à 18 000 euros, on a dessus. Ara de Mayel, 18 000, merci. Le numéro 590. Ah, j'ai pas compris le nom de l'acheteur. Sabi Sabi, mais elle est achetée à 18 000 euros. Alors maintenant, Sabi Sabi, on a eu son produit tout à l'heure, le 572 par Le Havre, qui s'est vendu 48 000 euros. Il est gagnant, du mystère d'un gagnant. Si je me trompe pas. La mère gagnante, deux mystères de 7 vainqueurs, dont un gagnant de la poule, une gagnante de la poule des 7. C'est ça, donc 46 000 euros achetés par Sylvain Vidal. Sac également avec Orwa Argent, pleine de Maxios, 5 000 euros pour débuter, 5, 5, il m'appelle à 5 000, on y rendra à 5 000. 5 000 euros, il faut débuter, 5 000 euros, 5 000 euros, 3, 3, 3 000, 3 000. 3 000 euros tout de même, 3 000, une gagnante, deux mystères d'un gagnant, 3 000, 3 000 euros, suivant 4 000 à droite, à 4 000 euros Camille, à 4 000, 4 000, 4 000, qui vont cher de 4 000 maintenant à 4 000, 5, 5 000. À 5 000 euros, une chic poulinière ici à 5 000, 5 000, Camille, qu'on trouve à 5 000 euros à gauche, en cher à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000 euros, qui vont cher. Hubert Honoré. 7000. Hubert Honoré du Haras Domel qui a acheté l'eau précédent, il rousse. À 16 000 euros. 18 000 euros. À 8 000, à 8 000 euros. Qui enchère de 8 000 maintenant à 8 000. 10 000. Sarah, nouvelle enchère sera 10 000. 12 000. 12 000. Donc Sabi Sabi est une fille d'Orpen. Orpen qui fait toujours la monte, lui, au Haras du Tenet. Pardon. À 16 000 euros, 18 000. Talon plus que reconnu sur la planète course à l'international. Père de 50 gagnants de groupe, c'est impressionnant. Dont Vorda, évidemment. Hein, Vorda, la vedette Vorda, la championne de 2 ans de l'année 2013. Donc je vous rappelle que son produit de Le Havre a été vendu 46 000 euros il y a quelques minutes. Et maintenant, elle est présentée pleine de Maxios, cette nièce de Torrestrella. Torrestrella, elle-même une fille d'Orpède d'ailleurs. Laura, 23 000 euros, et c'est fini, 23 000 euros, l'enchère à droite. À 23 000 euros, contre vous. À 23 000 euros, pas vous, Laura, on est d'accord. D'ailleurs, Torrestrella, que vous pouvez voir en photo. Torrestrella, qui était entraîné par François Rau, qui vient de se rapprocher du ring d'ailleurs. Que vous pouvez voir en photo dans la galerie média qui a été préparée par Loïc Secher. Vous pouvez voir aussi une photo de Pharma, le produit de Torrestrella, à 3 ans, qui a gagné l'Istat cette année. Torrestrella, Orpen. Et Maxios, les talons dont la jument est pleine. Oui ou non, Camille, à 26 000 euros, le marteau se lève. On ne peut plus attendre. À 26 000 euros, c'est en bas, pas d'erreur. À 26 000 euros, bien vu. À 26 000 euros. Oh, Jules, 26 000 euros, Camille, devant vous l'enchère, merci. Belle jument, cette Sabi Sabi. Présentée par le Haras de Succo, agent pour Bayley. C'est Eternal Beauty. Ah, c'est le Haras d'Omel qui présentait. Est-ce que c'est racheté? Oui, a priori. C'est Crispin Moubray qui va signer le bulletin. Très proche de Hubert Honoré. Enfin, proche physiquement et au niveau des relations, ils sont amis depuis très longtemps. Le 2 ans vient d'être second. Demi-sœur de 4 vainqueurs, un placé de groupe 2.
Alors maintenant, on va avoir le 600. Du derby, que des black tags dans ce pédigré. 10 000, 10 000, 10 000, 5 000 euros au début des bas, 5, 5. Elle est pleine de Falco, 5 000 euros, 5 000 euros, on débute à 5 000. C'est-à-dire qu'il reste 240 lots à passer. 5 000, 3 000 euros pour début des bas, 3, 3, guillemets, belle à 3 000, 3 000, il faut débuter à 3 000 euros. 3 000 euros, 3 000 euros, guillemets, belle à 3 000, 3, 3, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. Oui, 240 lots à passer. Une fille de Zafoni qui s'appelle Eternal Beauty, présentée par Laura Tsuko pour Bailey's Orchid. Fille de Strawberry Rhone, deuxième des Irish Mill Guinée. Propre sort de Imagine qui, elle, a gagné les Irish Mill Guinée, en plus des Oaks. Famille de Horatio Nelson, Moonlight Cloud aussi. Et donc, ça, la famille aussi de Generous, et ça remonte à la souche de Trèves, Trillion, etc. Alors, elle est déjà mère de 6 vainqueurs, en effet. Elle-même n'était pas bonne en course, hein, 4 sorties, rien du tout. Mais par contre, elle a donné 6 vainqueurs. C'est une bonne poulinière, cette Eternal Beauty. Pour se lancer dans l'élevage, c'est du solide. Certes, elle va prendre 15 ans, mais enfin bon, elle est pleine de Falco. À 6 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Et le 415, le poulain de My Boy Charlie, il est passé hier. Qu'est-ce qu'il a fait, son faux, le My Boy Charlie? On est d'accord, à 7 000 euros, pleine de Falco, 8 000, 7 500, si vous voulez. À 7 500, donne-moi 8, maintenant. À 7 500, essayez 8 000. À 7 500, c'est bien vu, l'opposition faible, essayez encore. À 7 500 euros, on est d'accord. À 7 500. Il a fait 8 000 euros, acheté par le rat de Fred Buffard. On se lève, à 7 500 euros, on a juste. 7500 euros. Le numéro 601 est présenté par Loira du Petit Ailier. Surveillance, une jument baie par Broken Vaux et Succession. Elle est pleine de Lingari. A noter que cette jument est positive à la pyroplasmose. This mare is pyroplasmosis positive. 5 ans, la mère est gagnante de l'Eastud, de la famille de Hartling Glass, pleine de Lingari à terme en mars. Combien offre-t-on? 5 000, voulez-vous 5 000, 5 000, 5 000, 3 000, 3 000 pour débuter, 3 000, la jument pleine de Lingari à 3 000. À 3 000 euros, à 3 000 euros, qui offre 3 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000. Ok, alors on va passer au 601, pleine positive à la pyroplasmose, surveillance. Allons-y, mettez vos enchères. Pas E-I-2-L-A-N-S-E, mais E-Y-A-N-S-E. Une fille de un étalon très peu connu, américain, Broken Vaux, fils de Bryden. D'ailleurs, surveillance est américaine, sa mère était américaine aussi. Non, la mère était anglaise et elle a gagné une liste en Allemagne. On va juger à 1500. Le Black Sam Bellamy Stuttenpreis. Elle est pleine de Lingari, présentée par Laura du Petit Ailier. C'est là où Lingari d'ailleurs fait la monte. Mais là, elle va être adjugée 1500. Bon, on va passer vite fait au lot suivant alors. Le numéro 602 est présenté par. Qui est qui est un mâle de Power, jeune étalon Power. A noter que ses demi-sœurs Summer Quality et Miss Somero comptent chacune une place supplémentaire. C'est le demi-frère de Summer Star. Gagnante de course en plat, donc de course en obstacle. La mère et la sœur de Act One, gagnante de groupe 1, gagnante du Critérium International et du Lupin. Belle famille maternelle pour ce fils de Power. Combien offre-t-on? 10 000, 5 000, 5 000, 5 000. Qui offre 5 000? 5 000, 5 000 euros l'enchère à 5 000, à 5 000, à 5 000. 3 000, voulez-vous 3 000? Il faut débuter, allons-y, mettez vos enchères. 3 000 euros, 3 000 euros qui offre 3 000 pour le fils de Power, issu de la sœur de Act One, le frère de Summer Star. 3 000, 3 000, 3 000 euros qui offre 3 000. Mettez vos enchères tout de même. 3 000 euros. Ah oui, 3 000. Merci Laura, l'enchère à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000. À 3 000 euros. À 3 000 euros qui est convenu de 3 000. À 3 000 euros l'enchère. À 3 000 euros le frère de Summer Star à 3 000. À 3 000 euros. À 3 000 euros qui est convenu de 3 000. À 3 000 euros l'enchère 4 000. À 3 500, 3 500, 3 500. À 3 500, à 3 500. À 3 500, à 3 500. Alors. Audrey l'enchère à 3500, à 3500, à 3500. Plus vous l'aurez. C'est le neveu de Act One, qui était un excellent compétiteur, deuxième du Jockey Club battu par Solamani. Contre vous l'aurez à 4000, 4000, 4000, 4000. Plus vous Audrey à 4000, à 4000. Tandis que nous avons l'arrivée de François Thomas, qui va venir s'essayer tout à l'heure au micro. 4000 euros l'enchère, c'est bien vu, par le gré, 5000. Célèbre François Thomas, qui est à la tête de la direction commerciale du Rat du Lion. 500 euros, à 4500. Qui a une magnifique casquette. On va la juger. Allez, 4500. C'est le frère de Summer Star, ce cheval. Alors, un Summer Star, un bon cheval d'obstacle. À 4500, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000.
à 5000, à 5000. Ah bah, oui, qui a été deuxième de, troisième de groupe 2 en obstacle. Après avoir été un bon cheval de Bumper, il a gagné une liste de Bumper, Summerstar. C'est une fille de, ah bah, c'est une pouliche de Medician. Mais celui-là, c'est un mâle de Power. Donc là, on est revenu vraiment sur la vitesse. Gagnant des National Sex groupe 1 à 2 ans en Irlande. Gagnant des Irish 2000 Guinée groupe 1 à 3 ans, toujours sur l'hippodrome du Cura. 7000, voulez-vous à 6000 euros l'enchère? À 6000 euros, à 6000 euros, et on va la juger. À 6000 euros, c'est bien vu. À 6000 euros, fini Alexandra, fini Laura. À 6000 euros l'enchère par Audrey, on peut adjuger. On adjuge. 6000 Audrey. Le numéro 603 est présenté par Gestut Hollerweyerhoff Agent, Summer Night Love, jument grise par Starboro et Summer Night Dream. Et elle est pleine de Sindar. Gagnante de deux courses, mère de deux vainqueurs, pleine de Sindar à terme en mars. Super Anna. Combien offre-t-on? C'est une super Anna. 3000, allons-y, 3000, qui offre 3000? Ah non, c'était Super Nana, désolé. Je confonds. Super Anna est une fille de Royal Applause présentée par Gestut. Gestut Holler Weyerhoff. 500, 1500. Des Allemands donc. Solène l'enchère à 1500. À 1500 qui couvre en chaise 2000, plus vous Solène l'enchère à 2000 euros, à 2000 euros la jument pleine de Sindar, mère de deux vainqueurs à 2000 euros, à 2000. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Ça marche. À 2500, 3000. La mère est par Hector Protector. Alors, Hector Protector, c'est marrant, ça. C'est un cheval, je crois qu'il est parti au Japon, à mon talon, ou alors pas. Enfin, c'était un super cheval de course, un gros cheval, un Woodman, un Alzan, monté par Freddy Head pour François Boutin. Cheval très très dur qui avait gagné le Jacques Lemarois de très haute lutte. Il gagnait pas de beaucoup, il a gagné la poule d'essai des poulains aussi. Très bien né, un fils de Corveilla, mais il a été un talon assez décevant, je dois dire. 500, Super Love, donc cette fille d'Hector Protector elle-même n'a pas gagné, elle n'a pas gagné. C'est la mère de Super Anna qui est ici, qui n'a pas gagné non plus. Mais par contre, Super Love, c'est quand même la sœur de Battle of Hastings qui a gagné le Virginia Derby en Virginie, comme son nom l'indique, aux États-Unis. Et on adjuge à 5000 euros. Ça va aller plus vite, j'ai l'impression, là, aujourd'hui, les enchères. Hein, le Radom Revue maintenant, c'est Duty and Destiny. Ton devoir. 4 ans par et ton destin. Super Love, vendu avec un certificat d'aptitude à la reproduction. De la famille de Battle of Hastings, gagnant de groupe 2 de Villa Carlotta. Combien offre-t-on pour la 4 ans par Royal Applause? 3000, voulez-vous? Non, en fait, c'est celle-là, je confonds. Là. C'est celle-là, là, Super Anna. Vous avez... 1500 euros, à 1500 euros, à 1500 euros, la fille de Royal Applause à 5000. J'avais trompé. 1500, Camille, l'enchère à 1000. J'avais passé la page parce que les deux chevaux, le 603 et le 604, sont présentés par Gestut Holler Weyerhoff. À 1500 euros, à 1500 euros, qui couvre à 2500. Allons-y, à 1500 euros, on va la juger. À 1500 euros, qui couvre 2000, c'est la même tous les deux. À 2000 euros, plus en face, l'enchère à 2000. À 2000 euros, plus dans le passage. À 2000 euros, contre vous, Camille. L'enchère par Sarah à 2000. À 2000 euros, qui couvre de 2000. À 2000 euros, contre vous. À 2000 euros, on va la juger. À 2000 euros, c'est bien vu. Pas regret dans le passage. À 2000 euros, Camille, contre vous. À 2000 euros, rien au-dessus de 2000. On va adjuger. À 2000 euros seulement, on adjuge. 2000, Sarah. Le numéro 605 est présenté par le Hara d'Ombreville, Duty and Destiny, jument baie par Monjeu et Swilly, pleine de Nakus. Fille de Monjeu, gagnante de trois courses, de la famille de Greeway, gagnante de groupe 2, de Distant Way, gagnante de groupe 1, pleine d'un bon service à terme en mars. Combien offre-t-on pour la fille de Monjeu, la mère Paris Shriver? 5000, qui offre 5000, la fille de Monjeu, pleine de Nakus, 5000, 3000, qui offre 3000 pour débuter, allons-y, mettez 3000, Solène l'enchère à 3000, à 3000 euros, 4000, Solène contre vous à 4000, à 4000, 5000, plus vous, 6000, Solène toujours à 7000, Camille l'enchère à 7000, une fille de Monjeu, 8000, une fille de Monjeu, pleine, oui, 9000, plus vous, Solène l'enchère à 9000, 10000, Camille contre vous, à 10 000 euros, 12000, 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 12
15 000, Camille contre vous, à 15 000, la jument plame, fille de mon jeu, pleine de Nacos, un bon service à terme en mars, à 15 000 nous sommes, à 15 000, Camille contre vous, à 15 000 euros, kick en jeu de 15 000, à 15 000 euros, kick en jeu de 15 000, c'est bien vu, pas de regret non, à 15 000, rien au-dessus de 15 000, enchère par Solène, à 15 000 euros, la jument, la fille de mon jeu, à 15 000 euros, on peut être jugé à 15 000, c'est vu. On la juge. 15 000 Solène. Le numéro 606 est présenté par le Haras d'Oméel, perruche grise, jument grise par Marc Ovestim et Tadorn. Bon. Elle est pleine de Silver Frost. C'est le moment d'acheter des chevaux, les enfants, là. 2 000 euros pour Super Anna. Là, maintenant, c'est Duty of Destiny qui arrive. Non, elle vient de passer à 15 000 euros. Fille de mon jeu, pleine de Nacous. Et maintenant, c'est perruche grise, une fille de Marc Ovestim. Et pleine de sœur de Pinson, pleine de Silver Frost, présentée par le Haras d'Oméel. Jolie poulie, jolie jument grise, née en 2005. Elle va prendre 10 ans, là, dans quelques jours. C'est la nièce de Xim, Welcome Millennium et Verba, cousine de Natif Khan. Voilà, des vrais chevaux classiques de la souche. Alors, la grand-mère Tamboura, c'est une des matrones du Haras de la Revourcière et du Montaigu. Mais là, elle nous est présentée par le Haras d'Oméel. Cette perruche grise, Marc Ovestim et Inchinor. Et Tadorn, pardon, par Inchinor. Mais c'est Tamboura qui est par Caldoun et qui confère cette robe grise qui se transmet bien. Son frère Pinson était. 14. Courait pour Rothschild et Jean-Claude Rouget. 18. 20 000 au restaurant, l'enchère à 20 000 euros, la fille de Marc Festim, de la famille de Welcome Millennium, c'est la demi-sœur de Pinson, gagnant de groupe 2, pleine de Silver Frost, à 20 000 nous sommes, par Jean-Jacques, l'enchère, fini Solène, fini. Il y a quelque chose qui... Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez enlever votre téléphone parce que ça grésille là? Merci beaucoup. 20 000, l'enchère dans le restaurant à 20 000 euros, qui couvre en jeu de 20 000, on va adjuger. À 20 000 euros, rien au-dessus de 20 000, à 20 000 euros, qui couvre en jeu de 20 000. À 20 000 euros, on peut adjuger. Alors c'est combien? Dix-neuf alors. C'est peut-être à vous à 18. Alors. 18, 19, combien de sous? C'est à vous à 18. Bon, c'est à vous à 18. Les ententes, là, 18 000. Enchère ici à 18 000. On a un petit problème de transmission. À 18 000 euros l'enchère. À 18 000 euros, c'est bien vu. Le problème de transmission, c'est souvent ce qu'on dit à la télé. Un petit problème de transmission. 18 000. Le numéro 607. Mon Dieu, je ne suis pas étonné. Vous êtes Limited Agent. Allez, Tempête, c'est une fille de Boréal. Elle est pleine d'Hurricane Run, on en parle encore.